Vous êtes encore les bienvenus sur les antennes Equinox, Télévision ce matin, madame, messieurs. Bonjour à tous, bonjour à vous. Merci de nous retrouver. C'est 10-12, le Zénith qui commence à l'instant. Merci à la grande famille que vous êtes. Quoi que vous soyez, où que vous soyez en même temps, vous comptez énormément pour nous. Et comme on aime à le dire, vous êtes la prunelle aux yeux de la télévision qui, chaque jour, s'arrange à vous donner des informations réelles et avec un discours tout à fait particulier. On est très proche de vous chaque jour à travers 10-12 le Zénith. Il est également important de se poser des questions ce matin. Sommes-nous en retour avec le coronavirus aujourd'hui au Cameroun? Les Camerounais sont-ils conscients qu'en réalité, on serait rentré dans la deuxième phase ou la deuxième vague de propagation du Covid-19 aujourd'hui au Cameroun? 25 personnes dans les établissements ont été hier identifiées comme étant porteurs du coronavirus, nos parmi lesquels 24 élèves et un enseignant. Le fait a été remarqué ici même dans le littoral à Douala. Finalement, quel est le premier foyer de contamination aujourd'hui au Cameroun? Nous avions encore hier soir regardez le ministre de la Santé revenir sur la réalité de Covid-19. Les Camerounais continuent-ils aujourd'hui de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'État du Cameroun? Est-ce qu'on devrait toujours faire confiance aux phytothérapeutes qui nous l'ont fait savoir il y a environ 7 mois aujourd'hui que la pharmacopée, si vous voulez, la médecine douce, pouvait effectivement soigner le Covid-19? Sommes-nous mal barrés avec le Covid et les impact économique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit dire? Que peut-on faire? Comment en sortir? Il est également important de se pencher véritablement sur l'économie du Cameroun, se poser des vraies questions. Après le Covid, où ira le Cameroun? 38 ans également après l'accession à la magistrature suprême de Paul Biya, pouvons-nous dire véritablement que l'économie camerounaise se porte bien malgré les nombreux plans de relance connus aujourd'hui? Pouvons-nous, au regard des chiffres ou encore des indices de développement, dire que le Cameroun va de l'avant? Pouvons-nous dire que les chiffres sont croissants? Les Camerounais se sentent-ils bien ou pas? Quelle appréciation pouvons-nous continuer à faire? 38 ans de gouvernance pour Paul Biya. D'ailleurs, ce matin, nous souhaitons la bienvenue pour vous qui êtes à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun. La grande famille Charles Lamel, Bombok, Dominique Audrey Oyengelek et Laure Bakanda, ensemble unis pour la même mission, nous sommes avec vous jusqu'à midi. Bonjour, Bombon Bengane, Kanje, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachounoumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. La presse nous apprend ce matin que le ministre de la décentralisation et du développement local, Monsieur Georges Elan Olangaïbam, n'a pas pu trouver de siège à l'ouest pour le nouveau conseil régional. Les élections, c'est le 6 décembre prochain. Il n'a pas pu trouver de maison. Donc, le nouveau conseil régional de l'Ouest risque d'être dans la rue. Voilà, on risque justement de l'avoir dans la rue. C'est assez grave quand même. On verra ce que ça donnera, mais on invite le ministre de la décentralisation et du développement local à bien revoir ces réalités-là pour qu'en réalité, si le 6 décembre prochain, il doit avoir élection régionale, que ceci se tienne en bonne place et dans un lieu connu. Charles Lamel Mbatiou, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Zone de turbulence au Cameroun avec cette affaire de sommation. Le président du parti Univers somme l'honorable Cabral Libi par via de voix du CIE de lui dire ce qu'il a fait de 13 millions de francs CFA. Pendant la présidentielle d'octobre 18, sur les 15 millions, dit-on, il a remis 13 millions. Qu'a-t-il fait de cet argent? Pourquoi est-ce que cela revient encore sur la scène? Autant de questions qu'il faut se poser pendant que Fridolin Kay, lui aussi, exige par voie d'huissier réparation par rapport aux propos employés. Saison des huissiers, pendant que les avocats, eux, se portent mal, pendant que les avocats s'interrogent sur la suite, à côté d'eux, les greffiers, les huissiers, certainement, ont beaucoup à faire. Merci beaucoup, Charles Mbatiou. Laure Bakanda, bonjour à vous et bienvenue.
Merci, bonjour Michel, bonjour à tous et bonjour à ces nombreux spectateurs qui nous regardent partout ailleurs. Mon regard est tourné vers cette jeune dame qui n'a pas pu assister aux obsèques de ses enfants parce qu'elle a été retenue pour n'avoir pas payé la somme de 194 000 francs CFA. Elle avait néanmoins payé des factures s'élevant à plus de 700 000 francs. Ma question est de savoir où sont passés ces services sociaux qui sont censés améliorer ou alors traiter les conditions de vie de ces personnes défavorisées. On est où là finalement? Les enfants siamois. Les enfants siamois qui ont été confisqués au départ. Confisqués au départ, oui. D'ailleurs, question nous avons décidé, il faut préciser qu'ils ont décidé, qui ont été confisqués. Aujourd'hui, la maman n'a pas pu assister aux obsèques de ses enfants parce qu'elle a été retenue par le centre hospitalier où les enfants étaient hospitalisés. Elle n'a pas pu assister aux obsèques parce qu'elle n'a pas pu payer la somme de 194 000. Et vous vous indignez d'ailleurs en vous posant la question de savoir que fait le ministère des Affaires sociales au Cameroun? À quoi sert le ministère des Affaires sociales au Cameroun? Où est-elle, Madame la ministre? Est-elle au courant de cette histoire? Quelle réaction peut-elle prendre ou avoir effectivement? Mais surtout s'indigner sur l'hôpital, sur le système social, s'indigner également du silence du ministre de la Santé aujourd'hui qui n'en dit pas mot. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Je l'ai fou là. Merci. Bonjour à vous. À la maison ce matin, mon interrogation, mon inquiétude se reporte encore ce matin au niveau de l'éducation secondaire. Michel Ngachou, comme tous les Camerounais, on a assisté à ce reportage qui mettait en scène ou bien qui mettait au devant de la scène des élèves et des non-élèves qui étaient en train de se livrer à des pratiques sexuelles. La question qu'on se pose est de savoir est-ce que ce n'est pas la conséquence de l'école à mi-temps aujourd'hui parce que les parents n'ont plus la parfaite maîtrise des emplois de temps de leurs enfants. Comment expliquer que des enfants qui sont censés être en salle de classe se retrouvent dans des maisons de fortune en plein débat sexuel? Donc, pourquoi le gouvernement ou bien le ministère de l'éducation secondaire n'a pas entrevu la construction de nouveaux bâtiments s'il fallait continuer de respecter les mesures de distanciation liées au Covid-19 pour pallier à ce genre de situation? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, qu'est-ce que ce sera demain? Bon, on vous dira qu'on a eu un problème de temps, peut-être aussi du point de vue du domaine, l'espace où on pouvait reconstruire ces bâtiments. Dans les établissements, on le sait également. Ça c'est toute la question. On sait également que ça n'a pas été très évident. Mais en attendant justement de voir ce que ça donnera, Dominique Audrey, il faut reconnaître que votre inquiétude est tout à fait raisonnable et que où étaient les parents à ce moment? Où sont les parents? La responsabilité parentale également est à questionner, surtout autour de cette question. Ils se contentent simplement de ce que les enfants leur disent. Maman, cette semaine on commence l'école à midi. Ok. Cette semaine on commence l'école le matin. Ok. Quel est le pouvoir que le parent a d'aller vérifier? Le parent a tous les pouvoirs. Ce n'est qu'une question de responsabilité. J'aimerais qu'on pose la question aux parents de ces filles-là. Nous vous entendrons, madame, monsieur, tout à l'heure. Et vous le savez, sur les plateformes 10, 12, le Zénith, c'est sur Facebook ou encore Equinox TV. Pour ceux qui nous regardent en live, laissez-nous vos commentaires. Un numéro s'affichera pendant l'émission en bas de l'écran. Pour tous les sujets qui seront développés ici, vous aussi, vous avez votre avis. Et vos avis, pour ceux qu'on pourra lire, on les lira sur l'antenne ou à l'antenne. Bienvenue à vous. Dominique Audrey, l'histoire de ce matin. Ce matin, on va au Tchad. Au Tchad, où un Tchado-Camerounais nous a envoyé l'histoire. Il raconte qu'il est footballeur professionnel qui joue dans le championnat égyptien. Il raconte qu'il a deux sœurs et un frère, une femme, une fille et sa mère dans sa vie. Malheureusement, à cause du coronavirus, il a dû revenir au Tchad pour rester avec sa famille parce que tout s'est arrêté dans le club dans lequel il jouait. Il raconte que là-bas, il ne gagne pas grand-chose comme les Camerounais ou bien les Tchadiens qui jouent à l'étranger, mais il a quand même de quoi vivre puisque jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui entretient sa famille. De retour au pays, dit-il, il s'est rendu compte que sa mère, ses deux sœurs, son frère, sa femme ne faisaient rien, n'avaient aucune activité et que tous dépendaient exclusivement de sa poche. Ce qu'il fait donc, il demande donc à ses deux sœurs, son frère et sa femme, de lui soumettre des projets
qu'il va financer à hauteur de 2 millions dans la globalité, dont les quatre auraient respectivement 500 000 francs pour financer leur projet. Rendu à deux mots aujourd'hui, malheureusement, personne ne lui a rien dit. Il dit qu'il a l'impression qu'il ne s'intéresse pas à ça, qu'il ne veut faire aucun effort. Il dit que lui, il n'est pas allé à l'école, mais ses petits frères ont pu pousser jusqu'à l'université parce qu'ils sont âgés de 23, 25 et 27 ans. Donc la question qu'il nous pose est de savoir ce qu'il doit faire face à cette situation. Est-ce qu'il doit simplement couper les vannes, arrêter de leur donner quoi que ce soit pour qu'ils prennent la mesure, qu'ils comprennent qu'à un moment ou à un autre, lui, il n'aura plus de quoi s'occuper d'eux? Ou alors, quels sont les projets qu'on pourrait financer à hauteur de 500 000 francs? Voilà. Bonne question ce matin, justement. C'est des interrogations parce qu'il y en a aussi, même ici au Cameroun, qui ont 500 000 francs, mais ne savent pas quoi en faire véritablement pour multiplier cela. Mais ils s'indignent contre la paresse, peut-être, ou encore le manque de réflexion de ces proches qui, en réalité, peuvent concevoir de vrais projets, mettre à sa disposition et que le petit financement qui soit mis à disposition puisse, on va dire, soit capitalisé. Voilà. Merci à vous. Comment réagissez-vous en même temps, vous qui avez un peu d'argent dans vos familles, et lorsque vous demandez aux proches de formuler des projets, vous les soumettre, le temps de voir comment les mettre en exécution, surtout les rendre matures, et leur donner à eux aussi l'occasion de s'envoler. Qu'est-ce qui peut justifier la paresse dans certaines familles? Qu'est-ce qui peut justifier justement le manque de créativité de certaines personnes? Qu'est-ce qui peut justifier que dans des familles, que l'on s'appuie sur une seule personne sans penser à tout le monde et que cette personne pense à vous, mais vous ne pensez pas à lui? Qu'est-ce qui peut justifier ce caractère-là? En avez-vous dans vos familles? En connaissez-vous? Comment réagirez-vous si vous étiez à la place de ce Camerounais Tchado Camerounais qui nous écrit ce matin? Voilà. C'est des réalités quand même, bon, Bengane, hein. Vous êtes quand même un papa aujourd'hui, vous connaissez ces réalités. Dans les familles, parfois, on peut avoir la chance d'être celui qui est en avant. On doit tenir la main des autres pour pouvoir avancer rationnellement ensemble. Mais si vous vous rendez compte que vos frères, vos sœurs, vos proches ne veulent rien faire et n'attendent que ce que vous leur donnerez, qu'est-ce que vous faites pour les amener justement à changer d'attitude, mais surtout à croire en eux? Que leur dites-vous? D'abord, c'est vrai ce que vous dites. Dans chaque famille, chacun a une spécificité. C'est ça qu'on appelle l'individu. Donc, quelle est l'âme de Dieu qui sommeille en vous? Donc, il y a des gens qui sont nés pour porter la famille. Bon, je pense que ce footballeur le sent, sa chair, qu'il doit porter la famille. Et là, je vais dire, son idée seule ne suffit pas. C'est pour ça que le développement communautaire est très important. Il n'y a pas de jeu. Je veux aider mes frères, ne veux pas. Je veux aider. Lorsque vous vous engagez dans le jeu, ça veut dire qu'il y a un système de blocage. Vous créez vous-même le blocage. La maman est là. Qui est le père de famille? Et le père de famille. À un moment, je ne sais pas si son papa vit encore. Même si son papa est décédé, il y a un père de la famille. Il y a un chef de famille. Oui. Il y a un chef de famille. Donc tout commence d'abord par le général pour aboutir au particulier. C'est ça. Vous faites le contraire, ce n'est pas bon. Vous risquez de vous confronter justement à des blocages. Étant entendu, lui dit, n'est pas allé à l'école. Voilà, ça veut dire que faire des business plans, des projets et tout, ne peut vous leur dire que non. Toi tu penses que tu peux faire quoi? Donc, seul, ça ne peut pas donner. Parce que les enfants, ses frères, risquent de dire que comme il a l'argent, il risque de... C'est pour contourner donc ça et mieux réussir, on pose le problème au niveau de la famille. Et c'est pour cette raison que même pendant le mariage, quand vous avez une fiancée, vous dites à la mère, vous dites donc, ce sont tes frères et tes soeurs qui apprécient d'abord, parce que personne ne voit sa nuque. Donc, il doit continuer dans le même sens à mobiliser les ressources qu'il a, mais revenir au niveau de famille pour que ses frères et ses sœurs, comme ils ne vont plus à l'école, puissent s'engager dans les activités génératrices de revenus. Mais c'est un problème quand même qui est, on va dire, qui est connu, qui est courant. Bon, Bengane, aujourd'hui, on a des frères qui ont eu la chance peut-être d'évoluer et ils veulent revenir, donner un coup de main, pas un coup de main, traîner ou drainer avec eux justement la famille pour qu'on puisse ensemble évoluer et qu'il y en a parmi qui sont refractaires à l'évolution. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous abandonne? Non, parce que le problème qui se pose justement, c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire,
j'ai mis 500 000 à la disposition de mon frère, de tel, tel. Donc j'ai mobilisé 2 millions de francs pour mes quatre frères, mes quatre sœurs. D'accord, c'est bon. Mais ce n'est pas tout. Il faut l'accompagnement. Mmh. Même s'il y en a un qui veut ouvrir un garage, il faut l'accompagnement. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on lui a donné. C'est de se dire que voilà, suivre. Il faut suivre et avoir quelqu'un qui décide. Mais quand tu dis de donner, tu t'en fous. Il n'a pas encore donné, Père Mbongo. Non, je vais dire justement pour qu'il ne perde pas. Ça doit être un truc consensuel, bien pensé. Oui. D'abord, il n'a pas fait l'école. Que ses frères qui ont fait l'école, comme on dit, chacun dise, est-ce qu'ils sont d'ailleurs d'abord disposés à s'engager dans la création des activités génératrices de revenus ou est-ce qu'ils veulent poursuivre l'école? Voilà, c'est aussi ça le blocage. Mais s'ils veulent, peut-être ils ont terminé, ils ont dit que bon, ce qu'on a fait à l'école, ça va, on veut se lancer dans le monde de l'emploi. Ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi au Tchad. Et est-ce que le développement, la création des activités génératrices de revenus, c'est leur option? Si ce n'est pas leur option, ils ne donnent pas. Très bien. Ce sera de l'argent jeté. Alors, est-ce qu'il n'y a pas également de crainte, bon, Mengane, aujourd'hui, que lorsqu'il ira voir le chef de famille, que celui-ci dise, ben écoute, mon fils, j'ai compris ta proposition, j'ai compris ta volonté d'aider tes frères et tes sœurs à aller de l'avant ensemble. Est-ce que le chef de famille devait avoir un comportement particulier? C'est faire asseoir les enfants en leur disant, votre frère veut vous aider, ou bien le père, il remet au père, et le père remet aux enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Le développement est collectif, est communautaire. Le salut n'est pas individuel. Oui. L'Africain, pour l'Africain, le salut est collectif. Donc le chef de famille, celui qui tient le lieu de chef de famille, va sensibiliser ses autres enfants en leur disant, vous voyez l'environnement aujourd'hui, bon, vous le savez mieux que nous parce que vous avez été à l'école, vous chômez depuis 3 ans. Donc voilà, votre frère voudrait que chacun de vous doit définir ce qu'il voudrait faire et votre frère est prêt à hauteur de deux. Je veux dire même que voilà le genre de projet qui consolide les liens de famille. Oui. Parce qu'on se tient. On se tient pour, comme vous avez dit, qu'on progresse ensemble, qu'on s'épanouisse ensemble. Parce que c'est ça en réalité. C'est même lorsque le premier fils, pourquoi le premier fils n'est pas généralement successeur? Parce qu'il est supposé avoir été établi. Et quand il s'établit, papa le salue. Il lui dit, moi aussi, je viendrai te rendre visite. C'est pour ça que nous sommes les derniers qui sont des successeurs. Mais le dernier n'est pas le chef de famille, même si tu es le successeur de papa. Mm-hmm. Puisque c'est l'aîné qui te tient la main, qui dit que voilà, c'est lui qui est le patron. Donc, voilà le développement de la famille qu'il ne faut pas biaiser. Très bien. Justement, cet aîné qui est considéré aujourd'hui comme étant le petit frère du papa. Le papa, très souvent. Tout à fait. Voilà. Alors, l'Obakanda, c'est une réalité sociologique aujourd'hui. On sait qu'il y a des frères, d'ailleurs, c'est le cas de ce Tchado camerounais, est un cas pas isolé parce que nous aussi, nous grandissons dans des environnements où il y a plein de footballeurs et on a le sentiment que lorsqu'on pratique le football, on a beaucoup d'argent, effectivement ça peut générer de l'argent, mais lorsque vous revenez au Cameroun, vous voulez aider les vôtres. Mais le danger ou la crainte n'est-il pas de voir ceux-ci sombrer dans la paresse en attendant toujours d'avoir cette main tendue? Et encourager cette paresse-là. Moi, je commencerai par dire que la souffrance est une école de sagesse. On a souvent tendance à dire ça. Effectivement. Si les gens, si c'est une réalité. Voilà, justement. Si tu ne souffres pas, tu ne peux pas réfléchir. Mm. Parce qu'on a en face de nous des personnes qui mangent à bouche que veux-tu et qui ne produisent pas, qui ne connaissent pas la souffrance de l'autre, de leur frère. Ils ne savent pas comment est-ce que leur frère fait pour générer aussi des sous. Moi, je crois qu'il devrait être ferme et radical sur certains points. Je ne dirais pas qu'il coupe les vivres totalement à ses frères et sœurs, mmh. mais je dirais qu'il essaye de réduire. Il peut peut-être commencer par payer des formations à ses frères. Il a parlé de sa sœur, de son frère, de sa femme. Tous sont à la maison et personne ne veut rien faire. Mais pour ceux qui sont quand même en fac, non? Pour ceux qui ont poussé un tout petit peu à l'école? Maintenant, ils sont assis à la maison, ils attendent. Ah d'accord, ils ont au moins eu des formations universitaires et sont à la maison à attendre. Voilà. La question que je me pose, c'est s'il est malade, comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir? Comment est-ce qu'ils vont faire pour vivre ou alors pour survivre? Vu que c'est lui qui génère les sous, c'est lui qui s'occupe d'une aussi grande famille. Sa femme ne fait rien, ses deux frères ne font rien, sa maman est là à sa charge. Je crois que cette famille-là est tellement paresseuse qu'il faudrait qu'il tape les mains sur la table
pour pouvoir booster les autres. Parce que s'il ne le fait pas, il est en train d'encourager cette paresse-là. Il est en train de cultiver cette paresse-là. Mais s'il faut battre la main sur la table, on fait comment? On cogne en disant, ben arrêtez, sortez le sommeil. Il s'écarte, il fait non, comment? Non, pas forcément comme ça. On peut couper les vies petit à petit. S'ils ne veulent rien faire, s'ils ne veulent pas se booster, s'ils ne sont pas volontaires à pouvoir apprendre pour pouvoir aider aussi les autres. Parce que dans nos familles africaines, on ne travaille pas pour un, on travaille pour une ou deux personnes. Et quand tu es le grand frère, tu dois essayer. Moi, je félicite déjà ce gars parce qu'il a beaucoup d'empathie. Il essaye de tirer ses frères vers le haut, mais ses frères le tirent vers le bas. Cette famille ne peut pas évoluer. Quand tu tires ton frère, c'est pour que ton frère tire celui qui est derrière toi. Mais si tu tires toute une famille comme ça et qu'il n'y a personne qui se montre volontaire pour pouvoir relever la famille, je crois que cette famille, d'ici quelques années, va sombrer. Je voudrais également questionner, peut-être Lomakanda, pour revenir au contexte camerounais, disons-le comme ça. Est-ce que les parents, est-ce que nous qui sommes déjà parents aujourd'hui, ce n'est pas l'occasion de dire aux parents que nous devrions, en tant que parents, apprendre à cultiver un esprit de compétitivité parmi nos enfants, bien pour sûr, qu'une fois l'enfant grandissant, dans l'unité justement de la famille, dans la solidité justement de chaque membre de la famille, les parents ont un rôle à jouer quand même à ce niveau, non? Oui, pour que l'enfant demain, une fois, sache que je sois grand ou pas, que j'ai un peu ou pas, je dois soutenir mon frère et mon frère ou ma soeur. Voilà, comment ce rendez-vous de nous du recevoir familial. Un très grand rôle, parce que les parents ont un grand rôle à ce sujet, parce que c'est le parent qui doit apprendre l'esprit de solidarité entre frères et enfants. Mais il y a des familles où, toi le parent, tu ne t'entends déjà pas avec tes deux frères et sœurs. Je ne vois pas comment est-ce que tu vas l'inculquer à tes enfants. Mmh. Si toi, déjà parent, tu n'es pas un modèle pour tes enfants. Les parents devraient être un modèle pour leurs propres enfants, pour que les enfants captent chez eux, que les enfants se disent que mon père, il a réussi, il a aidé ses deux ou trois frères à réussir aussi. Moi, quand je serai ci ou ça, je vais pas pouvoir, je pourrais pas laisser mes frères dans la misère, justement, ouais. Je vais pouvoir aider, parce que Bomboka parlait tout à l'heure d'accompagnement. Mm-hmm. Il devrait plutôt être là pour accompagner, parce que rien ne l'oblige, hein. Rien ne l'oblige, il n'est que le frère. Il a l'obligation peut-être envers sa maman, mais envers ses frères, ce n'est pas une obligation. Oui. Il a aussi le frère. Lui aussi peut être dans le besoin. Demain ou après-demain, il peut tomber malade. Mais si personne n'est là pour le relever, c'est bien grave. Comment ça va se passer? Alors, il faut donc penser effectivement à travailler ensemble pour générer, créer des richesses ensemble, se positionner ensemble, se stabiliser ensemble. Alors, Charles Amem Batiou, je voudrais quand même ici, au regard ou encore l'appréciation des nombreux téléspectateurs qui nous regardent et qui sont très loin du Cameroun, pour ceux qui sont notamment en Europe, et qui ont des grandes familles ici, sur qui tout le poids de la famille est très souvent reposé, parce qu'on estime qu'ils sont bien placés, ils ont eu de la chance. Pas seulement cela, mais même ceux qui sont bien placés aujourd'hui dans l'administration ou dans le monde des affaires. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir sauver une famille, pour qu'elle reste pas dépendante d'une personne, mais que chacun puisse se retrouver, évidemment? Alors, il faut dire déjà que c'est ce Tchado camerounais qui est fautif. Oui. Dans l'histoire, c'est lui le fautif. C'est lui qui a entraîné la malchance dans sa famille. N'est-ce pas trop fort, Charles Amem Batiou? C'est trop fort. Pourquoi parler de ma chance? Permettez-moi de finir, je vous dirai. Oui. Qui a habitué, qui a créé une dépendance financière dans la famille? C'est lui. Le footballeur. C'est lui. C'est lui qui a mis une forte aisance financière en disant que parce que je suis footballeur, je vais vous mettre à l'aise. Il a commencé à donner des sommes, M. Michel Batiou. Il a commencé à dire à la famille, voilà, tiens, maman, 200 000, toi, tu vas verser 100 000, toi. C'est lui. La question, tout ce qu'il a raconté dans son problème, j'ai écouté, mais la véritable question, c'est comment couper? Comment je vais faire pour couper ça? Je les ai habitués à un mauvais comportement, je les ai habitués à avoir beaucoup d'argent, je coupe comment? Je coupe comme tu as commencé. Brutalement. Monsieur Michel Ngadjou, vous ne pouvez pas, je ne peux pas me lever. Je viens vous demander, je vous dis, monsieur Michel Batiou, vendez le gaz. Je veux que tu vends le gaz. Viens avec un projet de moins de 2 millions. Et toi, viens avec un projet de 500 000. Toi, mais ça, c'est de l'insulte, ça. C'est de l'insulte, c'est de la méprise. Dans la vie, il y a ceux qui n'ont appris qu'une seule chose, aller à l'école.
dans les familles, il y a vraiment de tous les enfants, tout ce que vous faites, il y a un que son truc, c'est l'école. Il ne veut qu'aller à l'école. L'autre, c'est se chercher. Pendant que vous allez à l'école, il a ses chewing-gum. Il achète ses bonbons. Il achète ses trucs. Dès que tu as clair, il dit que gars, il y a le chewing-gum. Pendant que le prof, il demande pour 50, il envoie pour 50. À la pause, pendant que vous allez manger le fond, il compte son argent, il dit c'est bon. Alors parfois, quand ça finit avant la pause, il court acheter l'autre. Il y a des gens que c'est comme ça. Il y a d'autres qui ont concilié les deux. Il fait en même temps son petit, sa petite boutique. Il va à l'école. D'autres vont à l'école du soir. Quand vous rentrez, vous trouvez vos frères. Monsieur Michel, discutez avec vos frères. Les premiers ont ceci de particulier qu'ils ont bénéficié de tout. Ils ont bénéficié de tout auprès des parents. Ils ont bénéficié de l'affection, ils ont bénéficié de l'amour, ils ont bénéficié de l'argent. Je dis tout, les premiers-nés. Ouais, est-ce qu'il est premier-né celui-là, Dominique Odé? Mais ils souffrent. Oui, mais lorsqu'ils ont, ils doivent rembourser ce qu'ils. C'est pour ça que la transition, lui, il est confronté à la transition. Il a tout reçu de ses parents, monsieur Michel. Oui. Il a tout reçu de ses parents. Ses parents lui ont tout donné. Et les bonbons, et les, il a bénéficié, les sorties, le cajolet. Vous savez, à la maison. Il y a des enfants qu'on connaît. Nous-mêmes, entre nous, on connaissait que bon, si je pars affronter mon père, mais il ne peut pas me donner. On appelle l'autre, dit que papa, dis-lui que tu veux des bonbons. Dès que l'appelle, ça sort. Oui, effectivement. Ça sort, monsieur, ouais. Monsieur Gatou. Ouais. Donc, on est, les enfants sont les psychologues. Donc, à des moments, tu vois, le père, lui ne s'inquiète plus. Il dit, mais pourquoi c'est toujours toi qui viens me voir? Il dit, non, papa, c'est moi. Il dit, mais pourquoi tel devient quand il appelle, lui, il vient. Prends l'argent. Donc, vous voyez, cette psychologie, les gens l'ont pas. C'est comme ça qu'ils doivent faire avec ses frères. Que gars, mais bon, tu es à la maison. Hein, tu fais quoi à la maison? Bon, tu penses que. Il dit non, gars, moi je suis en train de les concours. S'il y a moyen, comme le Camerounais, c'est qu'il les paye moi-même un concours. Par exemple, il va discuter avec la soeur va dire que moi je veux voyager. Moi je veux partir du Cameroun. Chacun a ses rêves. Ouais. Vous n'allez pas empêcher aux gens d'avoir ses rêves. Il faut donc les accompagner dans leurs rêves. Oui, il faut. Maintenant, peut-être les coûts ne sont pas les mêmes, Charles. Monsieur Michel Gatio. Monsieur Michel Gatio. Vous ne pouvez pas venir me dire que vous voulez me lancer, vous voulez me faire, de vous monter un business de 500 000 alors que j'envisage d'être écrivain. Je dis n'importe quoi. J'envisage écrire des livres. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Vous voulez être écrivain. Je dis un d'accord. Voilà. Vous envisagez d'être écrivain, c'est votre passion, vous voulez vivre dans les livres. Mais maintenant, il va falloir justement que vous ayez ne serait-ce qu'une machine. Il va falloir avoir, un copieur. Il va falloir avoir tout le nécessaire. On n'a pas d'argent pour ça. Est-ce qu'on ne peut pas vous donner de l'argent, vous générer, vous acheter le matériel? Vous arrivez à la fin du problème. Vous avez commencé à m'habituer à 100 000 francs par mois. Je sais que je fonctionne à 100 000 francs. Ce ne sont pas des enfants aussi. Vous m'avez habitué. Pour pouvoir rompre, vous venez me dire, réfléchis désormais à ce que tu vas faire. Je te donne 2 mois. Vous pensez qu'en 2 mois, c'est pour ça que les projets n'avancent pas au Cameroun. Parce que c'est des projets mal pensés, c'est des projets mal réfléchis. Non, il a dit que depuis 2 mois, il n'a pas eu de réponse. Oui, mais qu'il ne se précipite pas à poser son problème. Approche individuellement chaque enfant, chacun de tes frères. Pas comme si tu arrivais comme le Manitou, comme si tu arrivais comme le sauve-tout. Parce que mon problème, il ne faut pas venir comme quelqu'un qui sauve. Ne viens pas comme quelqu'un qui veut sortir des gens de la misère. Tu es le Dieu des gens. Non. Arrive, tu interpelles ton frère. Dans bon, allons prendre même une bière. Pendant que vous posez des cas, tu vois, avec l'affaire de Corona et tout, l'approche au centre, monsieur Michel Gatou. L'approche, vous savez, dans les familles, il y a trop de susceptibilité. Tellement de susceptibilité que vous abordez mal un sujet. Vous allez vous retrouver à voir tout le monde sur le dos. Pourtant, vos intentions sont louables. Si la pose que Gambo, c'est comment moi, je veux que tu fasses quelque chose. Gars, comme a dit tout à l'heure, Laure Bakanda, je peux tomber, gars. Il faut aussi que vous soyez là pour me poser. Tu penses qu'on peut faire, toi et moi, on peut rapidement lancer quoi? Ça commence comme ça pour stimuler. C'est pas tout le monde qu'on stimule. Alors maintenant, la garantie morale. La garantie morale également dans ça. Est-ce qu'il ne devrait pas, Chalamel? Il peut vous dire, d'accord, créez-moi un projet à hauteur de, je ne sais pas, 500 000 ou 1 million, on va générer. Maintenant, lui, il peut suivre le projet. Il ne suivra pas, M. Michel. Non. Je connais plein de familles où on a discuté. L'enfant dit, garde, achète-moi une voiture. Moi, j'ai envie de faire l'axe. Achète-moi une voiture. Moi, je vais me battre pour moi faire l'axe. Le grand frère paye la voiture. 2 mois après, c'est une panne. 3 mois après, c'est un accident. Après, on appelle, on dit que l'enfant est couché à l'hôpital. C'est toi qui voulais tuer l'enfant. Tu es obligé de lui. Vous voyez, s'il y a des susceptibilités, laissez que ça émane de la personne,
dites ok, je suis prêt à vous accompagner, mais je vais aller par ordre prioritaire. Que chacun se rapproche de toi en te disant ouais frère, voilà. Mais l'approche, je vous assure, dans les familles, ce qui gâte les familles, c'est l'approche, la façon d'approcher les autres. Alors Dominique Audrey, c'est une situation également qui est réelle dans nos familles camerounaises aujourd'hui. Je voudrais, en passant ici quand même, dire que nous aussi nous avons vécu ça dans des quartiers, on a grandi, on a connu des familles où il y avait des footballeurs d'ailleurs qui ont été pour beaucoup d'alliances de notables aujourd'hui, mais qui ont quand même été des grands frères efficaces dans des quartiers et qui ont été des modèles pour la famille aussi, non? Efficaces, vous voulez dire quoi? Bah écoutez, ils ont beaucoup fait. Imaginez que vous ayez un grand frère qui est footballeur, qui a évolué. Dominique Audrey, arrêtez les vannes. Il a pris quand même sur lui, en tant que grand frère, de dire bon d'accord, j'ai eu la chance d'aller jouer en Europe et j'ai eu l'occasion de ramener mes cadets ici pour qu'ensemble nous puissions nous chercher. Bon, c'est aussi des façons de faire pour ramener la famille quand même à une certaine dimension, non? Voilà. Et dans ce cas, si vous estimez que ce gars, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour s'en sortir? Il devrait avouer à sa famille qu'il n'a plus d'argent. Ça fait quasiment... ça fait combien de mois que le corona a sévi? On est à 8 mois. Mars, voilà. Bientôt, ça fera un an qu'il est au Cameroun et qu'il gère toutes les factures. Ça commence à peser. Et il a mentionné que le championnat égyptien ne rapporte pas grand-chose. Il n'a pas suffisamment d'argent. Donc, il est en train de se projeter. Si cela met sur pied un projet, ils pourront générer de l'argent le temps qu'on me rappelle, parce qu'il peut repartir ou il ne repart pas. Comment est-ce qu'ils vont faire? Charles Amel parle des rêves que chacun pourrait avoir et tout. Mais monsieur, lorsqu'on a des rêves, on ne construit pas ses rêves dans les poches des gens. On travaille dur. J'ai envie de voyager. Et Charles Amel est mon bon grand qui est aux États-Unis. Mais lui me demande d'ouvrir la boutique de chaussures ici au Cameroun. Il dit que non, je veux voyager. Mais madame, cherchez votre argent et vous voyagez, parce que Charles Amel n'a pas les moyens de vous payer votre voyage. Mais il vous donne déjà l'argent pour ouvrir une boutique qui vous permettra de générer l'argent pour pouvoir chercher la route du voyage. On ne se projette pas. On ne cherche pas à se réaliser ce qu'on veut être dans les poches des gens. C'est malsain. Et ce que vous faites chez vos parents, c'est quoi? C'est malsain. Ça, c'est le parent a l'obligation. Ça, c'est le parent. Parce que votre frère est différent de votre parent. Oui, ça, c'est le parent. Ça, c'est l'occidentalisation. C'est pas l'occidentalisation. C'est l'occidentalisation. Mon frère n'a pas obligation. Mon frère est mon parent. Ton parent. Ma soeur est ma mère. Arrêtez d'occidentaliser. D'appuyer l'occidentalisation. Permettez. Vous avez des frères qui ont aidé les frères comme des parents. Oui, monsieur Batou. C'est un parent. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Si vous avez ajouté comme, c'est que c'est déjà non, ça. Voilà. Merci. Dominique, vous avez la parole. Dominique Audrey, nous vous écoutons. Donc, on est d'accord que si on a envie de s'offrir une maison au-delà de nos moyens, on ne va pas mettre la corde au cou à quelqu'un pour que cette personne-là nous offre une maison, alors qu'on doit se donner les moyens d'acquérir ce qu'on veut. Donc, le jeune homme, peut-être on peut dire que l'approche n'a pas été bonne, mais moi je vois plus de la condescendance, du mépris envers ces gens-là, qui, jusqu'à 2 mois, ont refusé de dire ce qu'ils avaient envie de faire. Est-ce qu'ils s'y est mal pris? Parce que Charles Amel, tu penses qu'il faut qu'il y ait une bonne approche. On ne va pas leur faire des courbettes non plus. Vous avez des problèmes d'argent. Je vous dis que montez un projet et je finance. Je dois encore vous tailler. Avec cet homme-là, avec ton argent, je préfère souffrir. Tu ne vas pas souffrir puisque c'est moi qui nourris. Avec cet homme-là, avec ton argent. Je gagne mon orgueil, va avec ton argent. Avec cet orgueil-là. Ce n'est pas un problème d'orgueil. Vous ne produisez rien. Vous parlez de vous. Vous ne travaillez rien. Vous ne travaillez rien. Même faire les charges même à côté. Comme ça, vous n'êtes même pas capable de faire. Lorsque vous avez besoin des babouches, vous appelez votre frère en Égypte pour qu'il vous envoie l'argent. Et le monsieur vous demande de faire un petit effort. Pour que vous n'ayez plus à l'appeler pour des petits problèmes, vous estimez que c'est de l'orgueil et qu'il doit rester avec son argent. Monsieur, passez par votre mère. Passez par votre mère, votre femme. Pour vos frères, vous pouvez les laisser. Hein. Votre femme, elle est sous votre responsabilité. Vous êtes obligé de faire quelque chose pour elle. Et elle est obligée de faire quelque chose pour s'en sortir. Donc, les idées de business avec 500 000 francs, vous pouvez... Ils peuvent faire les poulets. Ils peuvent se lancer dans les poulets. 500 000, c'est énorme pour faire les poulets. Vous parlez d'un poulailler, la création d'un poulailler. Si j'étais dans... C'est 25 000 le carton de poulet, voilà. 25 à 30 000 le carton
de 25 à 50 poulets par là. Vous achetez les... Vous parlez des poussins peut-être? Les poussins d'un voilà. jour, oui. Vous achetez ceux qui sont vaccinés. Vous louez le local, vous achetez le copeau, vous stérilisez la pièce, vous aménagez le chauffage, vous achetez les sacs de nourriture parce qu'il y a 3 heures de sac pour 1 à 15 jours. 16 à 30 jours et jusqu'à 45 jours. Donc, c'est 3 nourritures différentes pour les poulets. Vous pouvez faire également des porcs. Les porcs, c'est 30 000 le porcelet. Vous pouvez débuter avec 3 truies, un mâle, un vira. Oui, Charlamel, oui. 4 porcelets. Vous achetez les vaccins également, vous achetez les sacs de nourriture qui diffèrent, vous achetez la drèche et les compléments alimentaires. Vous pouvez faire également les lapins, vous pouvez faire les lapins, les chats, les, il y a les petites souris là. Les cochons d'Inde, voilà, les cobayes. Voilà, vous pouvez faire ça également et vous pouvez faire des champs. Bon, vraiment, en 30 secondes, Charlamel Mathieu, tiens, a fait une petite précision. En 30 secondes, vous voyez que Dominique Audrey a l'âme d'un éleveur. Elle a l'âme d'un éleveur. Et elle vante son âme de l'éleveur à la télé. Je ne suis pas éleveur. Je n'ai pas ça. Je deviens quoi, monsieur Moussa? On peut le devenir. Non. Mais écoutez, vous voulez fabriquer des choses à des gens qui ne sont pas. Oh. Vous avez des gens que 10 ans, vous allez lui dire qu'allons marcher, il va jamais marcher. 10 ans, allons faire la politique, il va jamais faire la politique. Oui. Il ne s'intéresse pas à ça. Chacun laissez libre cours. Vous voyez dans la maison, vous chutez. À un moment, on dit à la mère, sors de la cuisine. La maman ne prépare plus. C'est la sœur qui entre à la cuisine, qui prépare pour les frères. À un moment donné, le père ne parle plus. Quand le père se retire, dit au grand frère, prends tes responsabilités. C'est la transmission. Quand on vient dire aujourd'hui que c'est mon frère n'est pas obligé de m'aider. Si mon corps tombe, je tombe là tout de suite. Qui porte mon corps le premier? C'est le voisin? Ce n'est pas dans ce sens. Non. Je le dis parce que vous avez dit, arrêtons d'occidentaliser le docteur. Monsieur Michel, le frère est un parent. Je remercie, je tiens un coup de chapeau à tous ces aînés. Non, il n'est pas comme un parent. Il est un parent. Ton parent a l'obligation sur toi. Mettez le comme que les Français vous ont donné, les Vaugelais, Voltaire, tout ça vous ont donné. Moi, je dis que le frère est un parent. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui ont tenu la main de leurs petits frères, de leurs fils. Ils ont élevé, ils ont situé et ils sont nombreux aujourd'hui. Voilà. Je tire un coup de chapeau. Parce qu'à aucun moment, ils ont dit que je vais vous dire, Charlamel Mathieu. On connaît dans ce pays les hauts commis de l'État. Je ne vais pas citer les noms. On les connaît, directeurs d'entreprise, ministres, etc. On sait comment est-ce qu'ils demandent à leur petit du village ou du quartier à même un projet de financer. Et on connaît même très souvent ce qu'il y a derrière ces financements. C'est très grave. Allez, merci à vous, madame. Je sais, ça peut mettre Charlamel Mathieu en colère, qu'il estime que les filles ne sont pas dans son état d'esprit, qu'elles sont occidentalisées en réalité. Mais bon, en réalité, on est dans le... Ah bon? Oui. Vous êtes habitué? Bon, en tout cas, vous êtes habitué, attention, la colère. Hein? La colère de Charlamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la relecture du code de procédure pénale et la révision de la loi du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire au Cameroun. La justice, dit-on, est gratuite, mais au Cameroun, elle coûte très cher. Au Cameroun, rares sont les procès sensibles à connotation politique de ces dernières années où les principes d'équité des débats, de protection des témoins et d'équilibre des sentences ont été appliqués, dixit certains experts de droit. Jugés lentes, opaques, laxistes, voire sous les ordres de l'exécutif, la magistrature camerounaise semble avoir plusieurs trains de retard, tel a été le constat fait par le ministre de la Justice de ce pays lors de la réunion des chefs de cour d'appel et les délégués régionaux de l'administration pénitentiaire. Comment comprendre que la majorité des justiciables se trouvent, disent-ils, dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits pour des raisons d'ordre financier?
Est-il facile de prendre un avocat? Est-il facile de payer les honoraires ou alors de s'acquitter de certains droits financiers? Les actes judiciaires coûtent encore trop cher pour le Camerounais moyen. L'accès à la justice pénale au Cameroun reste limité, malgré la mise en œuvre de quelques mesures correctives par les autorités. Pour implémenter la justice pénale et garantir le respect des droits de l'homme, les principaux freins à l'accès à la justice pénale sont de plusieurs ordres. Faible connaissance des procédures, non-respect de ces procédures, coût élevé de certains actes judiciaires, corruption, faible niveau de recyclage des cadres de police ou des OPJ et de gendarmerie et d'autres auxiliaires de justice, insuffisance des ressources matérielles et humaines, abus de pouvoir et de fonction des acteurs institutionnels de la chaîne de justice pénale. Comment comprendre qu'à ce jour, la justice n'est plus considérée par le justiciable comme le principal instrument de régulation des différends sociaux, des réclamations et des réparations des violations des différents droits et libertés fondamentaux du citoyen. La conséquence de cet état de choses est la montée inquiétante du phénomène de justice populaire. Comment comprendre qu'à ce jour, les juges demeurent prisonniers d'une triple culture, dit-on, celle de la dépendance vis-à-vis du pouvoir en place, celle de la corruption et celle de la peur. Comment comprendre la résistance des obstacles qui entravent la gratuité des services rendus aux justiciables? Savez-vous qu'il y a un déficit d'appropriation des textes liés à la justice pénale au Cameroun par la plupart des acteurs de la chaîne? De même, aucune mesure générale n'a été identifiée permettant d'arrimer de manière permanente les OPJ, officiers de police judiciaire et autres acteurs de la chaîne aux évolutions des normes internationales en matière pénale. Savez-vous qu'aucune disposition nationale n'existe en matière de centralisation et de vulgarisation de la jurisprudence en matière pénale? Savez-vous qu'il n'y a pas un dispositif qui permet de sensibiliser les détenus et de faciliter leur réinsertion afin qu'ils prennent conscience du mal qu'ils ont causé à la société? La plupart des officiers de police judiciaire et autres responsables des prisons ignorent que leur responsabilité individuelle peut être engagée, notamment au regard des dispositions pertinentes de l'article 2 de la Convention des Nations Unies contre la torture et de l'article 277, alinéa 3, du Code pénal camerounais. Comment comprendre le fait que malgré l'existence du Code de procédure pénale, le justiciable camerounais souffre toujours du mauvais traitement, du mauvais fonctionnement des commissions d'assistance judiciaire, le caractère prohibitif de certains frais légaux, la concussion et les pratiques indélicates de corruption imputables à nombre de magistrats? Comment comprendre que le code de procédure pénale soit appliqué de manière, dit-on, arbitraire? Comment comprendre les insuffisances liées à la question du droit au silence et de la spécificité de la femme face au droit pénal en cas de privation de la liberté? Savez-vous que, concernant le droit au silence, le code de procédure pénale s'illustre par sa contradiction observable sur l'ambiguïté entre les dispositions des articles 92 et 116 du code de procédure pénale concernant la spécificité de la femme? Le même code de procédure pénale se distingue par son silence sur le sort des enfants mineurs laissés par une femme en voie d'être privée de liberté. Que dire alors de la loi antiterroriste qui est venue complexifier davantage la procédure pénale en créant entre autres une nouvelle catégorisation de la garde à vue en opposition au régime de 72 heures renouvelable une fois prévu par le code de procédure pénale? Il faut ajouter la garde à vue administrative. Savez-vous que cette irruption de la garde à vue administrative dans la procédure pénale constitue un véritable recul du droit d'accès à la justice pénale au Cameroun? Savez-vous que les procédures prescrites dans ce code de procédure pénale en matière de garde à vue sont régulièrement bafouées au Cameroun du fait que très souvent, des citoyens passent de 5 à 21 jours de garde à vue? Peut-on dire dans le contexte actuel que la protection du droit du suspect est respectée au cours de la procédure? En tant qu'auxiliaire du procureur de la République,
quelle est la place accordée par le code de procédure pénale à l'officier de police judiciaire? Quelles sont les garanties prévues par le code de procédure pénale afin de permettre à l'OPJ d'accomplir sa mission dans le respect de l'équilibre entre les droits de la personne poursuivie et l'intérêt de la société? Comment comprendre que l'article 317 du code de procédure pénale, qui dispose que l'auteur d'un PV ou d'un rapport peut en outre être entendu comme témoin devant le tribunal, ne soit toujours pas respecté, sauf dans la partie anglophone de ce pays? Comment comprendre le manque de matériel, de travail, machine à dactylographier, papier format A4, papier carbone, et qui soit une des difficultés que connaît l'OPJ dans l'accomplissement de sa mission? Savez-vous que dans la pratique, les usagers sont souvent sollicités afin de pallier à ce manque, à donner du papier format aux enquêteurs? Comment comprendre que les procureurs de la République ne prennent plus la peine de procéder au descente dans les commissariats? Comment comprendre que certains suspects sont abandonnés à eux-mêmes dans les unités de police ou de gendarmerie? Comment comprendre que malgré les dispositions du code de procédure pénale, certains OPJ se décident à déférer les suspects au parquet sans leur déposition? Il y a dans ce cas vice de procédure, car la loi demande qu'avant d'être gardé à vue, le suspect doit être entendu par l'OPJ. Autant de choses qu'il faudrait véritablement motiver ou qui devraient motiver la relecture du code pénal, du code de procédure pénale, parce qu'à ce niveau, beaucoup de violations sont observées. Nous saluons bien évidemment tous les Camerounais qui nous regardent ce matin, certainement dans un commissariat de la place, quel que soit l'endroit où vous êtes. Nous saluons également les officiers de police qui nous regardent ce matin, les commissaires de police également, qui comprennent en même temps, supposons-le, hein, le code de procédure pénale. Nous saluons en même temps l'école de police nationale, où là-bas, il y a toute une éducation, il y a tout un enseignement autour du code de procédure pénale. Nous saluons également la gendarmerie nationale aujourd'hui, qui s'en sert allègrement, y compris tous les corps de l'armée, véritablement. Nous croyons et nous pensons que les avocats également sont concernés, les magistrats sont concernés, mais surtout, tout justifiable serait concerné aujourd'hui par ce code de procédure pénale. Charles Amène Batu, dans sa colère, estime qu'il faudrait repenser à la relecture ou à la réécriture du code de procédure pénale. Mais au-delà de cette inquiétude, n'avons-nous pas le droit de penser effectivement qu'il y a un réel problème d'éducation, d'enseignement du code en lui-même, des articles et des dispositions au grand public camerounais pour que chacun puisse s'enquérir de l'information et savoir bien évidemment en disposer aujourd'hui? Bonbon Bengan Kanje. Non, vous dites qu'il faut un problème d'éducation qui est différent de l'instruction. Parce que je prends seulement le cas qui fait l'actualité. Tous les magistrats sont instruits, mais il y en a moins qui sont éduqués. Ils auraient compris qu'avec le code de procédure pénale, en cas de délit, on n'est pas obligé de mettre quelqu'un aux arrêts. Les combattants, on n'est pas obligé. Et vous verrez que même Amadou Vamoulke, on vous dit, on le met aux arrêts, lui c'est un crime. Mais on dit, parce qu'à ce niveau-là c'est un crime, ici c'est un délit. Donc, n'était pas au tribunal de grande instance pour le cas des avocats bastonnés. Même en cas de crime, si la résidence est connue, on peut vous laisser comparaître libre. Mais lui, on vous dit par exemple que vous n'avez pas de résidence connue alors que vous avez assumé les hautes fonctions de quelque part pendant une période relativement longue. Et vous étiez quelque part, vous habitez quelque part. Et on sait où vous habitez. Donc, en fait, c'est un problème d'éducation. Quand on parle d'éducation qui est différent de l'instruction, l'éducation voudrait dire que on revient, la loi c'est quoi? Ça régule les rapports sociaux. Et quel type de comportement nous devons avoir? C'est pour ça que le juge qui prend la décision, il le prend au nom du peuple camerounais. Or, le pouvoir judiciaire ne s'acquiert pas par le vote, comme le Parlement ou la présidence de la République. Il le prend, c'est pour cette raison qu'on lui a donné ce pouvoir-là, d'apprécier, parce qu'il est assis. Il apprécie donc. Vous voir si les avocats sont les auxiliaires de justice, au même titre que les magistrats, les huissiers et tout ça. Quel type de comportement devons-nous avoir avec telle personne? Avec les démunis? Avec. Là, le magistrat assis le sait donc. Mais ici, le comportement des francophones n'est pas
celui du code de procédure pénale. Le code de procédure pénale, en réalité, c'est une manière de joindre, je veux dire, d'intégrer le common law, donc le système anglophone dans notre corpus de loi, pour commencer à l'intégrer. Et là-bas, ils savent ce que c'est que le droit. Ici, ils ne font pas le règlement de compte à la porte-pièce. Mmh. Ça, c'est un problème d'éducation. Donc, au-delà de l'éducation, il y a l'instruction. Voilà. Et maintenant, la question, peut-être pour mieux la reformuler, puisque vous m'avez très bien compris sur la question, bon, les Camerounais sont des millions aujourd'hui qui nous regardent. Et beaucoup périssent dans des commissariats, dans les prisons de brigade, parce qu'ils ignorent pour beaucoup les dispositions légales. Et même s'ils les connaissent, c'est vrai, on sait qu'aujourd'hui on est habitué aux abus dans ces commissariats et dans ces brigades. Mais qu'est-ce qu'on fait pour enseigner de façon raisonnable, directe, cette disposition aux Camerounais pour qu'enfin, même s'il y a relecture, que les Camerounais eux-mêmes disent qu'à ce niveau, il y a vice, il y a ci, il y a ça à retirer? Non, je vous réponds autrement. D'accord. Ceux qui connaissent les lois, les avocats, comment sont-ils traités devant les brigades de gendarmerie, des commissariats de police? Beaucoup sont molestés. Voilà. Et lorsque l'officier de police judiciaire, qui est le commissaire de police, l'officier de police, il vous met en garde à vue dans la cellule. Et dernièrement, même il y en a un en parenthèse, il m'a dit que non, vraiment votre terme de cellule là, il faut dire maison de sécurité. Donc il a dit d'accord. Donc quand ils vous mettent donc dans les maisons de sécurité, dans des situations infestes, la procédure d'arrestation même et tout, c'est quoi la procédure là? Où est, je veux dire, dans le code de procédure pénale, est-ce qu'on ne piétine pas exprès? Parce que ceux-là, ils sont instruits, ils savent, ils connaissent la loi, ils savent. Donc quand ils se comportent comme ça, ceux qui connaissent la loi, à l'endroit de ceux qui connaissent également la loi, plus forte raison, nous qui ne connaissons pas la loi, on va vous utiliser, nul n'est censé ignorer la loi. Alors qu'on l'ignore, même si cette assertion-là est utilisée, j'ai dit le comportement qui tient lieu de l'éducation. J'ai dit bien l'éducation qui est différente de l'instruction. Tous les magistrats sont instruits, tous les avocats sont instruits, les huissiers sont instruits et le 99% de la population camerounaise est instruite. Mais nous ne sommes pas nombreux à être éduqués. Très bien. Donc c'est un problème d'éducation qu'il faut. Et ce problème d'éducation ne s'acquiert pas à l'école. C'est justement dans les rapports sociaux que nous avons. Et c'est ça qui fait qu'on sera obligé de respecter la loi. De respecter la loi, c'est-à-dire si on ne connaît pas la loi, de se référer aux hommes de loi. Ça veut dire qu'il y aura une confiance qui va naître. Et c'est ça, je termine par là, ce qu'on appelle... La réconciliation entre l'État et la nation. Donc, les citoyens camerounais, même qui sont ignorants, mais ils se reconnaissent aux gens qui les représentent à tous les niveaux. Merci beaucoup, Mbombo Bengane. Merci à vous. Doit-on relire le code de procédure pénale aujourd'hui? Doit-on revoir le code de procédure pénale aujourd'hui? Quand on sait par ailleurs qu'à Yaoundé aujourd'hui, un leader de parti politique est assigné à résidence sans aucune notification, qu'est-ce qui justifie une telle action? Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je voudrais également qu'on regarde nos frères camerounais qui jonchent les prisons aujourd'hui et qui pour beaucoup se sont retrouvés dans ces prisons parce qu'il y a eu vice des formes ou une mauvaise interprétation du code de procédure pénale. Je voudrais également jeter un regard dans les cellules aujourd'hui au Cameroun, où il y en a qui, pour beaucoup, ipsons aujourd'hui, pour ceux qui ont fait 4, 5, 6 jours en cellule, parce qu'il y a justement eu une mauvaise interprétation du code de procédure pénale. Alors, Charles a même battu dans sa colère ce matin, nous a donné des dispositions qu'il faudrait certainement revoir. S'il faut revoir, est-ce que nous-mêmes Camerounais, nous comprenons déjà ce qui a été mis à notre disposition pour à chaque fois confronter nos idées, nos compréhensions avec ceux des autorités, si vous voulez, judiciaires ou policières, voire même administratives. Parlons-en, madame et monsieur, dans la deuxième partie. On marque une pause, comme chaque matin, et on se retrouve. Sur les standards connus, sur les plateformes connues également, 10-12, le Zénith, nous sommes sur Facebook, ou encore Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live. Laissez-nous vos commentaires. Vous, Camerounais, croyez-vous qu'il faudrait aujourd'hui
réviser le code de procédure pénale. Quels sont les abus auxquels vous avez été exposé? Comment vous avez apprécié en même temps la gestion de ce code de procédure pénale dans certains commissariats aujourd'hui, oui, ou encore dans certaines brigades? Est-ce que nos autorités policières, on va même dire hein, de la gendarmerie en réalité, ont-ils connaissance du fond de chaque disposition, de chaque article de ce code de procédure pénale? Est-ce qu'on peut compter sur la police ou sur la gendarmerie pour repenser la relecture, l'écriture de ce code pour qu'il soit adapté à chaque Camerounais aujourd'hui? Dominique Audrey, avez-vous le sentiment que le code, le nouveau code de procédure pénale, il a été pensé pour nuire ou plutôt pour protéger les droits des Camerounais? Je crois que c'est un melting pot. Et si on prend même simplement l'exemple de la DOT, Père Bombok certainement va passer dessus, il dira qu'il y a énormément d'incongruités. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises ici, il a même dit qu'il pourrait même certainement attaquer ce code pénal-là parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes à l'intérieur. Le Cameroun dispose de sensiblement 10 prisons, 10 prisons centrales avec 48 prisons principales et je crois 15 prisons secondaires, quelque chose comme ça, de façon ramassée. C'est ça nos prisons. Maintenant, à l'intérieur de ces prisons-là, on retrouve des couches, des différentes couches de personnes. On a, moi, je préfère m'attarder sur le cas des femmes enceintes et des mineurs. La situation qui se pose, vous vous rappelez, en 2017, s'il faut simplement parler des procédures d'interpellation des citoyens, il y a énormément de choses à redire. Oui. La loi de 2005, de juillet 2005, stipule à l'article 124 que l'officier de police qui est en face d'un potentiel, je ne sais pas comment je vais les appeler, lorsqu'on interpelle quelqu'un, voilà, un présumé, voilà, oui, est censé remplir un cahier. La main courante. Oui, la main courante qui mentionne à l'intérieur les différentes interruptions, tout ce qui est dit lors de l'échange, lors de l'interrogatoire, disons ça comme ça. Pour en établir par la suite un procès verbal. Voilà. Oui. Mais lorsqu'on va en 2017 avec Bello, le petit Bello, l'histoire, tout le monde la connaît. Oui. On sait aujourd'hui ce qu'il est. Il n'a plus de jambes, il lui reste un seul. Il a des jambes rognées. Un seul bras. Contre Bello, il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas eu de vol, il y a eu simplement une personne qui s'est écriée comme ça et le pauvre a subi ce qu'il a, il a subi. Il a été électrocuté, il a été bastonné, il a été. C'est énorme, autant d'incongruités qui sont notables. Le nouveau code pénal parle de peine alternative, mais jusqu'ici, on n'en voit pas. On ne voit pas de peine alternative. Justement, c'était quelque chose qui aurait pu désengorger les prisons, mais on n'y est pas. Regardez aujourd'hui la situation des femmes qui sont enceintes dans nos enceintes carcérales. C'est déplorable. Pour celles qui ne le sont même pas, parce que ça, c'est... C'est-à-dire qu'au-delà du code de procédure pénale, oui, et le code pénal en lui-même. Hein? Tout à fait. Voilà. Merci. Donc, les femmes devraient bénéficier d'un traitement particulier. De par d'abord leur morphologie qui veut que chaque mois elles aient des menstruations et autres. Mais dans nos prisons, combien de femmes incarcérées, parce qu'il faut dire que la population féminine carcérale avoisine les 3% au Cameroun. Mmh. Ça, ce sont les chiffres de 2017. Elles avoisinent les 3%. Combien ont la possibilité de s'offrir des protections? Elles sont peu nombreuses. Conséquence, elles se livrent à de la prostitution. Ça, c'est ce que les gens nous disent de l'intérieur. Que vous allez trouver des femmes qui sont obligées de se donner, de se vendre pour avoir de quoi être. Maintenant, à l'intérieur, on a des femmes qui, lors de ces activités-là, contractent des grossesses. Et dans nos prisons, il y a un médecin pour environ 1300 prisonniers. Donc, ça dit que chaque prisonnier a son droit. Oui. Et maintenant, on a le sentiment, pas le sentiment, le constat amer qui est fait, c'est que ces droits de ces prisonniers sont violés à partir même du code de procédure pénale qui les y conduit. Oui, et le nouveau code dans l'article 123 stipule qu'une personne gardée à vue est nourrie par l'État. Oui. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire qu'on vous met dans une cellule. L'article 122, alinéa 4. Oui. Voilà, donc vous met dans une cellule. C'est l'État du Cameroun qui est censé vous nourrir. Oui, la garde à vue, en réalité. Pendant la garde à vue. Pendant la garde à vue. Mais ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? C'est justement ça la question. Pourquoi est-ce qu'on peut, on vous met en garde à vue, vous êtes dans la cellule d'un commissariat d'une brigade, mm-hmm, comme pour ceux qui sont au CED en ce moment, qui partent de partout, qui sont au CED. Donc en réalité, on est censé vous nourrir là-bas.
On a parlé également de la gratuité des procédures judiciaires, mais les transports sont payés de vos poches. Ouais. Des gens évaluent ça même jusqu'à 500 000 francs, les frais de transport et tout. Vous savez qu'en principe, dans ce nouveau code pénal, on parle de... Là, maintenant, nous sommes dans le code pénal. Hein. Vous savez, les questions de droit et le langage du droit n'est pas toujours évident. Voilà. On mentionne que... Mais exprimez-vous de façon simple pour qu'on puisse mieux vous comprendre. Oui. On parle de la durée de la garde à vue qui pourrait aller jusqu'à 8 jours supplémentaires si et seulement si on n'a pas pu avoir, si je ne me trompe, le procureur au téléphone, Charles-Amel, je ne sais pas si c'est ça. Si on ne l'a pas eu et qu'on ne sait pas où on peut vous retrouver, on vous garde au frais, comme ça. Mais... Le problème de l'adressage se pose donc également. Parce que si on n'a pas d'adressage dans nos différentes rues, dans nos différentes villes, il est évident qu'on sera obligé de retenir les gens dans les cellules parce qu'on ne sait pas où les trouver. Donc ça, c'est un autre problème. Je persiste à dire que le problème qu'on a chez nous, c'est qu'il n'y a pas d'enchevêtrement dans les différents compartiments qui constituent le pays, que ce soit... qu'on aille de la santé à la justice en passant par l'habitat, tout est lié. Oui. Donc aujourd'hui, on est loin de la gratuité des services judiciaires, on est loin du respect des droits de l'homme. Souvenez-vous, on parlait de peine alternative. Il y a eu une histoire avec un jeune homme qui avait partagé une blague sur Boko Haram. Ces trois jeunes hommes, ils sont aujourd'hui en prison. Oui, il y en avait qui étaient mineurs, qui étaient en classe de première. Ils ont été condamnés à 10 ans. C'était en 2014, voilà, 10 ans. Est-ce qu'on ne peut pas reviser pour désengorger et les contraindre aux travaux d'intérêt général pour désengorger justement les prisons? On n'y est pas encore. Donc, il y a énormément de problèmes au niveau de ces procédures-là, et il est important de les revoir. Il faut les revoir sûrement. Je voudrais d'ailleurs ce matin faire la petite précision que nous avons le compatriote camerounais Wilfried Siewe qui est toujours détenu à la prison centrale de Kondengui et il fait partie de ces derniers qui récemment ont été, dont les peines ont été revues, mais qui aujourd'hui, selon nos informations de ce matin, il n'y a aucun... les avocats en même temps qui ont fait un travail à leur niveau, pour beaucoup on ne les voit plus et ces Camerounais qui sont dans ces prisons semblent être des laissés pour compte, on ne s'occupe plus de leur dossier et c'est très dangereux. Et la question qu'on a en droit de se poser ce matin, c'est que deviennent les enfants nés dans des prisons, parce que les femmes conçoivent des enfants dans des prisons. Et la loi encadre quand même ces enfants-là? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas une disposition légale qui encadrerait ces enfants? Ce sont certainement des prisonniers aussi. On est prisonniers? Oui. On a quand même misté les affaires sociales, non? Oui, sur du papier. Sur du papier. Il faut qu'on enlève ou bien il faut qu'on garde? On enlève. Elle va te chercher, la ministre. Non, je suis là. Ouais, bah ouais. Je suis là. Merci beaucoup, Plo. Petit sourire. Alors, leur Bakanda, c'est également une réalité aujourd'hui. Beaucoup de Camerounais se plaignent qu'ils sont, par exemple, interpellés. On vous amène dans une cellule où vous êtes censé y passer au maximum 3 jours. Vous vous retrouvez à faire 6 jours en cellule parce que c'est le commissaire qui décide. Parfois, même, vous amenez une affaire. Une affaire qui peut se régler entre 2 personnes au niveau du commissariat. Le commissaire choisit délibérément de vous conduire en prison. Je voudrais en passant saluer le commissaire Haïti, l'un des commissaires aussi qui a fait son temps au commissaire du deuxième à Yaoundé, qui aujourd'hui est en prison à Kondengui. Je ne sais pas comment il se sent là-bas, parce qu'à un moment donné, oui, il faut le dire, comment se sentirait lui qui a envoyé plein de Camerounais en prison, comment se sent-il là-bas à Kondengui aujourd'hui? Parce qu'en réalité, il y a eu, on tripatouille réellement ces codes de procédure pénale. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ramener, bien évidemment, les Camerounais à repenser sa relecture et son écriture? Justement, reviser ces codes de procédure. Je vais commencer par dire que les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires sont, de manière générale, très souvent jugées mauvaises dans tous les pays du monde entier, même si toutefois on a des différences notables d'un pays à l'autre. Mmh. Cependant, je vais aller un peu plus loin. En 1957, une résolution des États-Unis avait établi un ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, mais ces règles ne sont pas respectées jusqu'à présent. La charte graphique également des droits de l'homme et des peuples en vigueur au Cameroun interdit en son article 5 les traitements cruels, inhumains ou dégradants
des détenus dans ces différentes prisons-là. En fait, d'où vient-il? Moi, je vais d'abord m'arrêter sur le cas que Dominique a fait remarquer tout à l'heure. D'où vient-il, non pas Belon, d'où vient-il que tu as ton détenu, un frère, une soeur, une mère ou un mari, dans un milieu incarcéral, et que c'est toi qui devrais chaque semaine lui apporter chaque à manger. Chaque jour, lui apporter à manger, lui apporter des vêtements, lui apporter même des médicaments, parce que la qualité de nourriture là-bas n'est pas bonne. À la cellule, au commissariat. On va vous dire qu'il y en a, mais peut-être qu'ils mangent du riz tous les jours. Qui peut poursuivre sur ce cas-là le ministère de la justice? Parce qu'en réalité, il y a une violation grave quand même. Le détenu a droit à sa nourriture dans le commissariat ou la brigade, ou la suite de la brigade, qu'on ne lui donne pas. Est-ce que ce n'est pas justement une violation de la loi que les Camerounais peuvent une grosse violation de la loi. Parce que tu n'as pas, toi, le membre de la famille ou alors le proche du détenu, tu n'as pas le droit de lui apporter à manger, et ce, monnayant quelques pièces. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui a le droit de venir avec même la nourriture dans ce cadre incarcéral. Il faudrait monnayer pour pouvoir faire nourrir ton détenu. Sinon, il va crever de famine. Il y a également un fait, sans vous couper, je vous en prie, je m'en excuse. Vous voyez quand même le milieu infect dans lequel les cellules se retrouvent. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu celui-là au moins une fois. Moi, j'y suis déjà. J'y suis en train de voir une cellule. Vous vous enfermez? Bah oui, j'y ai fait 3 jours d'ailleurs, n'en faites pas. Là, je parlais de Mokolo, effectivement. Allez, mais c'est la vie, c'est normal. Vous ne le faites pas, garçon. Allez, il faut comprendre. Alors, je vous disais, est-ce que vous comprenez au moins les réalités de ces cellules, les conditions infectes dans lesquelles on détient ces Camerounais, ces personnes, ces prévenus-là? Triste réalité, mais elle est pourtant vraie. C'est ce que de nombreux Camerounais vivent dans ces milieux carcéraux. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci, c'est gentil. On apprend tous les jours. Oui, c'est évident. J'aurais appris quelque chose ce matin. Merci pour l'humilité. Voilà, merci. J'irai plus loin en parlant des médicaments. Toi, le proche n'a pas le droit d'apporter des médicaments à un détenu qui se trouve dans ce milieu-là. Parce que tu as mal à la tête, on te donne du paracétamol. Tu as la thyroïde, on te donne du paracétamol. Tu as une blessure, on te donne du paracétamol. Tu as si on te donne du paracétamol. On ne prend pas soin de savoir. Enfin, c'est pour montrer la négligence qui se trouve dans ces milieux-là et qui est une violation du droit humain. Oui. Justement. Allez, non seulement à vous entendre parler de Lord Bakanda, on se rend compte que ne serait-ce qu'en respectant le droit du citoyen ou du prévenu dans les prisons, dans les brigades, dans les commissariats, si vous voulez, il y a du travail pour tout le monde. Et réellement, c'est une source justement d'emploi. Charles a même battu aujourd'hui. On peut à travers, en tentant seulement de respecter les droits, le code pénal, les dispositions, après rélecture bien évidemment, on peut créer de l'emploi avec ça. Monsieur Michel Gatou, je pense que lorsque le ministre Laurent Esseau s'exprima après la réunion, n'est-ce pas, de cette réunion, ce grand rendez-vous des chefs de cour, prenait celui de dire qu'il faudrait procéder à la relaxation, je pense qu'il a mesuré. Partons d'un premier point, l'arrestation. Ah, c'est lui qui propose la relecture. Monsieur Michel Gatou, comment se font les interpellations? Qu'est-ce qui l'amène à ne pas le faire? C'est justement ça, il s'est rendu compte de toutes ces incongruités. Comment se font les arrestations? Les arrestations se font la majeure partie de manière arbitraire. Parfois, c'est à 2h du matin qu'on défonce votre porte pour certains pour vous enlever. Est-ce que les arrestations respectent le principe de convocation, vous devez déférer une convocation, vous arrivez? Non. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille avec les OPJ, les officiers de police judiciaire, qui devraient avoir une autre formation, monsieur Michel Gatou, parce que c'est à moins que nous soyons restés dans le système colonialiste, le système de la répression
ou la police ou les unités spécialisées de police ou de gendarmerie ont cette latitude de débarquer chez vous en temps et à contre-temps et de faire de vous ce qu'ils ont lieu de faire. Tout à l'heure, on évoquait la question de la nutrition. Une fois que vous êtes interpellé, vous appartenez désormais à l'État. C'est l'État qui prend charge de vous sur tous les plans. Comment se fait-il que l'assistance judiciaire ne commence qu'au tribunal? Pourquoi dans les unités spécialisées de gendarmerie et de police, il n'y a pas d'assistance judiciaire? Vous devez avoir l'assistance judiciaire, M. Michel Gatchou. Oui. C'est-à-dire, dès que vous entrez, aussitôt vous devez avoir un avocat commis d'office. Pourquoi arriver jusqu'au tribunal? Première question. Donc, vous avez partie du commissariat. Tout devait partir du commissariat ou de la brigade. Oui. Vous vous faites interpeller. Parfois, les gens ne font même pas de déposition. Vous dites que j'attendais votre avocat. Vous ne faites pas de déposition. On vous défère. Oui. C'est devant qu'on dit si on va vous libérer ou on va faire quoi de vous. C'est devant. Je vous envoie. Or, il n'est pas prescrit qu'on envoie un suspect présumé, suspect M. Michel Gatchou, au tribunal sans un. Pour le. Comment vous appelez ça? Non, pas le mandat, sans déposition. Vous devez faire une déposition. Ça, c'est très important de le faire. Autre chose, monsieur Michel, vous avez ceci que des personnes sont interpellées saines, mais au moment de leur déferlement, elles ont des blessures, des maltraitances. Elles ne parviennent même pas à marcher. Elles sortent d'un pied. Que s'est-il passé? On dit quand on l'a arrêté, il a glissé. Voilà des expressions qu'on entend. Il a glissé quand on était en train de l'interpeller. Pourtant, il a subi véritablement, on va dire comme ça, une sorte de maltraitance. Précisons encore, M. Michel, que la question des soins, vous avez dit tout à l'heure qu'on vous donne, mais qui vous donne? Vous avez oublié les droits de cellule? Vous payez deux types de droits de cellule. Le droit de cellule, c'est-à-dire d'avoir le droit de commissionner votre gardien, les cellules, et le droit d'être en paix dans la cellule, monsieur Michel Gatchou. Vous avez deux droits à payer. Parce que si vous avez mal à la tête, vous êtes obligé d'avoir un 500 francs pour appeler votre gardien, votre ange gardien dehors. Que, officier, hein, paye-moi deux paroles, c'est à moi. Il dit que moi, j'ai dedans un bâton. Je vais tirer moi-même un bâton, non, je vais prélever. Au lieu de payer pour deux, ça va payer pour. Donc, vous voyez, c'est ce jeu. Parfois, eux-mêmes, ils ont ces paracétamol-là qu'ils vendent aux détenus. Par exemple, donc, vous voyez, or, il est prévu que, en tant que détenu, vous avez droit à un matelas, vous pouvez vous reposer. Mais est-ce que c'est ça? Dans la différence, sinon, on dit que c'est pareil. Si tu es venu te reposer, c'est le code de procédure. Moi, je voudrais vous relancer, juste dire ce que vous décrivez ce matin, ce que vous exposez ce matin dans cette colère, devra mener. Ne serait-ce que les magistrats aujourd'hui ont fait le tour des Monsieur Michel Gatchou, jusque dans les années 95, de la justice. 1995, fin 96, les procureurs descendaient systématiquement dans tous les commissariats le vendredi. Parfois c'était le jeudi, ils venaient un jour en avant le jeudi. Ils traitaient tous les dossiers. Il y a des dossiers qui n'ont pas besoin d'arriver, il y a plein de substituts. Il y a des dossiers qui ne sont obligés d'arriver au parquet. Lorsqu'on arrive, on évalue, c'est pourquoi. Affaire de famille, il y a eu quoi, coup de poids et tout. On vous appelle, vous ça s'est passé comment? Papa, on dit que bon voilà, frais à payer. On note là sur le papier, vous allez payer coup de ceci, ça, c'est fini, on vous libère. Vous devez passer, payer au niveau des greffes. Plein de personnes se retrouvaient libérées, des cas graves étaient envoyés. Vous vous retrouvez, et puis il y a autre chose. Comment se fait-il que dans certains postes, parfois des unités spécialisées, les femmes sont parfois mélangées avec les hommes? Oui. Les femmes sont parfois mélangées avec les hommes parce qu'il n'y a pas de cellule. Oui, celui-là, fait. Oui, à Mokolo, je vous parle de Mokolo. Monsieur Michel Gatchou, pour vous démontrer que moi-même j'ai été à Mokolo, la cellule des hommes était à gauche, la cellule des femmes était à droite. On sort d'un environnement identique, on se comprend. Donc pour moi, c'était. Je vous dis, c'est des choses que nous avons vécues. Et parfois, ça n'allait pas du côté des femmes, on transférait les femmes. Chez les hommes, les femmes se retrouvaient et vous imaginez ce qui peut se passer avec les chefs de cellule. Vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il a depuis 4 mois dans une cellule. Tu fais quoi dans la cellule? Non, c'est le dossier du commissaire. Non, c'est le dossier de tel inspecteur. Non, c'est le dossier de tel officier. Non, c'est tel chef qui m'a balancé ici. Vous voyez, on ne peut pas avancer avec de tels. Disons, et pour là, je termine. Monsieur Michel Gatchou, je termine. Monsieur Michel Gatchou. Il faut dire que les magistrats ont trop de travaux. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a à Yaoundé, les unités de gendarmerie transmettent environ 391 PV, procès-verbaux, au parquet par semaine, ce qui fait une moyenne de 1564 dossiers par mois.
Est-ce que vous savez que les unités, les différentes unités de police à Douala transmettent 248 PV par semaine pour les trois parquets de la ville, soit une moyenne de 1296 PV par mois. C'est en trois mois, on a combien de PV? Qui va les parcourir? Qui va les lire? Vous vous rendez compte qu'on va de renvoi en renvoi, renvoi en renvoi, renvoi en renvoi, et vous allez vous retrouver à faire 6 ans, 5 ans, le jour que votre affaire même passe, on regarde que mais on va lui-même faire comment de lui. Condamné à 3 ans, il dit, chef, monsieur le juge, il a fait 3 ans de renvoi. On dit, bon, d'accord. Voyez, et parfois, incroyable. On fait des renvois et vous êtes innocent. Incroyable. Voilà autant de choses qui devraient nous amener à relire véritablement ce différence, ce code pénal et faciliter. Au-delà de la relecture, cher Amemba, tu vas falloir peut-être dire, aujourd'hui, qu'en tant que Camerounais, il est important de revoir les effectifs au niveau des cours. Il est important, justement, de donner la possibilité, hein, que ce soit... Bon, Benga, vous le réagissez peut-être, hein, oui, au niveau des effectifs. Des effectifs. Oui, c'est important. Il y a dans ce code de procédure toute une panoplie de choses. Et j'ai bien fait, comme Chalamet l'a relevé, j'allais dire des prises de parole du ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux. Il avait dénoncé lui-même des arrestations arbitraires. Mais il ne fait rien pour pallier à ça. Parce qu'au moins, le procureur, ce qu'on appelle le parquet, est sous sa responsabilité. Mm-hmm. Bon, c'est le magistrat assis. Et, en principe, il ne devrait pas donner des ordres. Mais le parquet est sous sa responsabilité. Pourquoi le procureur continue-t-il à procéder à de telles arrestations? Première chose. Deuxième chose. Les prisons camerounaises sont catégorisées. Seulement en prison de production, par exemple. Qu'est-ce qu'on appelle? Ça veut dire que pour un ingénieur, disons même qu'il a volé de l'argent, il est condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme. On peut commuer sa peine en travaux d'exercice commun. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'épuiser les 20 ans en prison. On l'envoie selon sa spécialité, s'il est agronome, s'il est dans les travaux publics et tout, faire cette peine là-bas, il ne sera pas payé, et moyennant quelques émolutions. Il en est de même des médecins et autres. Parce qu'un ambassadeur chinois qui était en fin de séjour ici, en partant, sorti de l'audience au palais de l'unité, il avait dit, quand on l'interroge, comme on les interroge souvent, il dit, mais vous vous mettez beaucoup de gens en prison qui travaillent pour les nourrir. Personne n'a répondu. Il dit, mais c'est incongru. Qui travaille pour les nourrir? Il a dit, vous arrêtez les gens qui ont volé de l'argent. Il dit, chez nous, il est mieux. Et alors, c'est plus facile de se faire rembourser cet argent quand ces gens n'existent plus. Bon, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mm-hmm. Donc, en réalité, les prisons de production devraient servir. Donc, quand on parle de l'éducation, elles devaient servir de moralité pour un médecin, un ingénieur ou tous ceux qui sont dans les finances publiques qui ont détourné de l'argent, ont commis leur peine en travaux d'intérêt. Très bien. Je vais peut-être pour finir, hein, bon Bengal, on connaît qu'il y a des Camerounais qui sont, il y a des gens qui ont des maladies, hein, la kleptomanie par exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui vole pour rien, lui vole tout, il vole pour rien. Donc à un moment donné, si vous avez un kleptomane que vous ramenez en cellule, sans vous rendre compte que celui-ci a un problème déjà psychologique, lui vole pour rien, il vole tout. Vous allez l'incarcérer, il va ressortir, poser le même acte, revenir le lendemain. Et pourtant, on pouvait tout faire pour comprendre sa situation et voir comment le sauver ou comment le réorienter. Justement, comment ça entre donc. Ça entre donc dans le cadre, c'est inscrit dans ce processus-là. Oui. C'est-à-dire, comment procéder à la réinsertion sociale des prisonniers. Donc, à partir de la prison, votre prise en charge, on sait qui vous êtes, on vous prend en charge sur le plan médical, ainsi de suite, ainsi de suite. Dominique Audrey a parlé tout à l'heure de femmes qui accouchent. Donc, en principe, la femme ne devrait pas être enceinte en prison. Puisque l'une des choses que vous ont arrêté, c'est votre liberté. Donc, qui enceinte les femmes en prison? Donc, voilà. Qui va répondre? En tout cas, on va prendre les messages tout à l'heure. Bon, pendant le message de nos téléspectateurs, merci à vous, madame, monsieur, de nous faire confiance. Qui enceinte les femmes en prison aujourd'hui au Cameroun? Dominique Audrey. Peter Aaron dit que la loi au Cameroun, c'est la raison du plus fort et c'est la raison pour laquelle ils se bousculent tous vers le parti au pouvoir pour se sentir fort partout. Et il revient encore en disant, monsieur Ngachou, pour avoir violation de loi, il faudrait que les lois existent et soient appliquées. Mais nous sommes dans la cour du roi Peto.
Avant de me dire plein mon mouvement, je veux savoir. Peter Aaron dit que les enfants nés en prison sont du même statut que les fonctionnaires dont ils ont un salaire à vie. Ah bon? C'est sur quel, texte? Dès la France. Au Cameroun. Évoluons. Il y a Mimi, la classe dit la situation carcérale est vraiment. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. On observe des traitements inhumains et dégradants infligés aux prisonniers. Il y a Mamie Tonta Prada qui dit « Je suis vraiment content d'avoir pris mon destin en main en partant de ce pays. » Bah, sauf que votre famille est restée. elle reviendra. Elle n'est pas contente, justement, quand elle voit. On a toujours son cœur là où est son pays. Quand le veut, voilà. On a un téléspectateur qui dit l'État Alexandre Ngatia dit que l'État assure l'alimentation du gardé à vue, mais elle peut recevoir l'alimentation de ses proches. Article 122. Alinéa 4. Et nulle part on ne contraint dans la famille à donner puisque c'est l'État qui assure qui va la nutrition. Qui va. Ah oui, donc de base c'est l'État. Mais maintenant si l'État ne fait pas, est-ce qu'on laisse alors notre prisonnier sans manger? Partir de ce pays est un ouf pour moi. Bien débrouillard, j'ai failli piquer une crise. J'ai toute seule décidé de partir, commençant n'importe quoi sauf rester là. Ça se passe dans les pays développés car tous les fichiers sont informatisés, c'est-à-dire qu'on peut te récupérer aussi facilement après une fuite. Dommage. Ça, c'est pour les personnes. En Europe, il y a un système. Ils ont des bracelets électroniques sur les pieds. Vous ne pouvez pas couper. Vous ne pouvez pas sectionner. Vous avez, dès qu'on vous remet en liberté, vous êtes chez vous. On vous définit un périmètre. On peut vous laisser chez vous en disant vous ne traversez pas la porte. On définit le périmètre. À peine vous traversez la première brigade, dans votre coin est déjà au courant. Donc, il faut dire qu'on peut arriver à ceci, déconjectionner les prisons et fonctionner avec cette... Comme on disait, les enseignants, vous avez des informaticiens, notamment les gars de la SCB qui sont enfermés. On ne sait pas pourquoi. Depuis, on attend le transport judiciaire qui va aller au Maroc. Des très bons informaticiens que ce pays a connus. Ils sont enfermés là-bas. Ni la SCB, ni personne ne dit rien. On peut, par exemple, pourquoi ne pas les libérer ou bien placer ce bracelet et les laisser continuer à officier. Vous avez des personnes, des brillantes personnes, ingénieurs qui sont dans Et ce qui est intéressant, c'est que même si on met un bracelet aujourd'hui, c'est vrai, ça va forcément vous amener à vous rendre compte que vous êtes différent des autres Camerounais. Et de l'endroit où vous irez, avoir votre bracelet, on vous dit « Ah, ça c'est le prisonnier de X ou de Y ». Ça pourrait avoir un effet... Mais ça participe de l'éducation, justement. C'est l'éducation de la société. Donc, en réalité, est-ce qu'au Cameroun, peut-être puisqu'on en parle, parce qu'il y a une proposition comme celle-là sur le plateau, il faudrait peut-être qu'on repense à ces bracelets pour que le Camerounais qui est en cellule ou qui est en prison, lorsqu'on le libère pour décongestionner les prisons, que ce bracelet soit remis pour que partout il ira, qu'il soit identifié comme tel, pour l'amener justement à changer. Monsieur Michel Ngatou, quand vous allez dans la zone anglo-saxonne, vous allez vous rendre compte qu'il y a moins de prisonniers. Parce que l'officier qui procède à l'arrestation vient comparaître. Lui-même vient s'asseoir sur le banc. On lui pose des questions. Comment ça s'est passé? Pendant l'enquête, on se rend compte que vous avez noté ceci dans le procès verbal. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous devez... Mais pourquoi dans la zone francophone, les OPJ ne vont pas au tribunal? Monsieur Michel Ngatou, il devrait arriver. Il devait venir témoigner. Parfois, on écrit des choses. Vous avez des personnes qui se retrouvent incarcérées. La personne a des difficultés de comprendre. Même rien. On lui dit, ok, vous dites que vous avez fait tel, ça, tel jour, tel heure. Pendant qu'il écrit, il ajoute pour lui. Il ajoute pour lui. Après, il vous dit que c'est ce que vous avez écrit. Je relis pour que vous suivez. Il relit avec vos termes en oubliant, en omettant le plaisir. Vous n'avez pas le droit de contester. On vous oblige à signer. Il faut qu'on respecte d'abord ça, monsieur Michel. Oui, mais attendez, vous savez, cher Lamel, à chaque fois, on rentre ici, on est très content, mais parfois on est très nerveux. Il faut faire quelque chose pour que ça change quand même. Respecter. On respecte. Non, parce que les gens ne vont pas respecter monsieur Mbatiou. Les gens ne respectent pas. Les commissaires, on ne les respecte pas. Les brigands ne les respectent pas. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon? Justement, est-ce qu'il n'y a pas une pression justement qu'on peut mettre sur monsieur ces objets? Monsieur Michel, on a révoqué au moins trois commissaires à Bamenda. Au moins trois commissaires ont été révoqués parce qu'on s'est rendu compte que toutes les affaires qui provenaient de leur commissariat étaient des affaires trafiquées et traficotées.
Le juge a pris, on a convoqué le commissaire, dit concernant telle affaire, il y a telle, concernant telle affaire, telle. Est-ce qu'il ne vous arrive pas dans votre propre brigade de mener les enquêtes internes pour vous rassurer de l'état, la probité de vos différents éléments? On a fait le rapport, on a envoyé, ça fonctionne comme ça dans la zone anglophone. Pourquoi dans la zone francophone, ça ne viendrait pas à pouvoir se faire? À convoquer même le commissaire, lui dit que mais, tel jour à tel, vous avez débarqué dans telle concession, vous êtes entré avec, vous avez perquisitionné, qui vous a envoyé? Il y a des perquisitions qui se font sur des gens sans mandat. Mais vous avez des arrestations qui se font sans mandat. C'est vrai. Mais dans la zone francophone, monsieur Michel Gassiou. Excusez-moi, on a la télévision. Vous venez chez moi, vous venez chez nous, ou bien mon quartier, arrêter des gens sans mandat. Si le quartier sort sur vous, comme on dit souvent au quartier, et on vous moleste en criant aux voleurs, vous direz quoi? Non, ça en devient zone, des en zone francophone. En zone francophone. D'abord, la fille qui a parlé avec Kinos a. John Stéphanie. Elle a été interpellée comment? Deux femmes sont venues la voir. Suivez-nous. Dimanche, alors qu'elle n'est pas criminelle, on vient de suivez-nous. On l'a amenée. Bon, quand vous dites suivez-nous, si on vous dit moi je ne vous suis pas, je ne vous connais pas. Mais vous. Ils ont deux. Je peux vous dire. Je ne vous suis pas. Non, ils ont deux façons. Ils vous disent monsieur, veuillez nous suivre. Vous avez le choix. Soit ça se fait de la plus bonne manière, doucement, soit ça se fait dans la violence. Toujours est-il que vous allez nous accompagner. Mmh. C'est vous-même qui dites que non, pas besoin. Pas besoin. Non, mais, donc, on a installé en chaque Camerounais la graine de la peur. Au point, le Camerounais ne peut pas dire « Monsieur, je vous suis sur la base de quoi? Quel document que vous avez qui atteste que je dois vous suivre ?» Et puis, même si on prend la manière la plus violente, écoutez, monsieur Mathieu, il y a des sacrifiés. Il y a des gens, je dis vous tapez, il vous dit « On meurt ici, vous et moi. » Là où je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir, on meurt, vous et moi. Monsieur, c'est vous qui passez le temps ici à soulever tout le temps sur le plateau les arrestations des samas. On l'a déjà notifié. Plus de 75 arrêtés. C'est un coup de film. Il dit, est-ce que vous avez repéré ça? Oui, arrêtez-le. Il y a eu plusieurs cas de dénonciation des avocats eux-mêmes qui viennent assister leurs clients dans les brigades gendarmes des commissariats. On les fesse là-bas. Je veux comprendre. Et à plus forte raison, un simple citoyen, quand, comme disait Charles Amel. Vous faisiez l'avocat? Mais attendez. Okay. On les fait régulièrement. Est-ce que c'est raisonnable? Parce qu'on peut en rire. La raison n'a rien à voir dans le contexte camerounais. Si les gens étaient éduqués, il y a au moins le minimum de civilité. C'est ça l'éducation. Quelles sont les civilités qu'on a lorsque on vous détient, mais même si vous avez volé? Vous voyez, est-ce qu'on est obligé d'être brutal? À plus forte raison, quand on le fait sur les avocats qui viennent vous défendre. Vous savez comment on arrête les gens? Comme Charles Lamel a dit, quand vous dites, monsieur... Il soulève le truc comme ça, vous voyez l'arme. On vous montre l'arme. Monsieur Tiré. Vous suivez? Non, monsieur Tiré. Bon, d'accord. Dans le tiré, là, il s'en a lui-même en âge. Non, c'est justement ça. Bon, quand vous dites dans le tiré, là, il s'en a... Monsieur, suivez-moi. Pourquoi? Je vous suis pourquoi? J'ai une notification qu'on vient convocation. Vous me la remettez effectivement. Vous permettez mon bon. Vous avez un travail connu. On vous veut maintenant. Ben écoutez, le commissaire dit qu'on vous ramène. Elle est là. Là. Il y a moyen d'arrêter. C'est le commissaire ou bien c'est le magistrat qui demande qu'on conduise. Est-ce que vous savez que dans la ville de Yaoundé, à un certain moment, tous ceux qui étaient arrêtés ne figuraient pas, les noms ne figuraient pas sur la main courante? Effectivement. Vous vous retrouvez en train de faire 14, 16 commissariats à la recherche d'un membre de votre famille. Non, c'est des policiers qui sont venus, ils nous ont dit qu'ils sont du GMI, ils nous ont dit qu'ils sont de ceci, ils nous ont dit qu'ils sont de la Légion. Vous faites le tour, ce n'est pas dans la main courante. Le problème, c'est quoi donc? Pourquoi? Comment on fait pour que ça change? C'est ça donc on a mal pour est-ce que c'est pas le cas de la relecture, du code de procédure pénale? À quand cette relecture, Charles Amel Mbatiou? Est-ce que le peuple camerounais qui nous regarde aujourd'hui n'est pas conscient effectivement qu'on est en train de tout faire pour le maintenir dans cette logique-là? On est en train de tout faire pour l'amener à ne pas penser par lui-même? Est-ce que le peuple camerounais peut pas se lever et dire « Je veux que ça change pour le peuple qu'on respecte mes droits » simplement? Est-ce
que chaque fois qu'on arrête, vous avez, on a assisté, vous et moi, il n'y a pas longtemps, à une arrestation. Est-ce que vous avez lu les policiers, fait comme vous liez vos droits, monsieur, vous, monsieur tel, vous êtes en état d'arrestation. Si vous n'avez pas comme un avocat, comme une... C'est prescrit dans le code de procédure pénale. Mais qui le fait? Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas. C'est ça le problème. C'est justement ce que bon gouvernement nous avons dit. Il faudrait qu'on revienne à ces fondamentaux. L'ignorance des Camerounais. Est-ce que c'est pas important de le dire aujourd'hui? Parce que ce sujet est assez intéressant. Aux parents qui ont des enfants, lorsque votre enfant va à l'école, il commence à lire béaba, commencez à lui apprendre ce que c'est que le droit. Il faudrait que le parent commence. Ça devait être fait. Ça devait être fait. C'était fait, monsieur Michel Ngatchou, dans ce qu'on appelait l'instruction civique. Le premier cours, c'était qu'est-ce qu'un état de droit. Après l'état de droit, le deuxième chapitre, le chapitre 2, c'était être citoyen. Qu'est-ce qu'un citoyen? Je peux vous ramener encore. Qu'est-ce qu'un citoyen? Qu'est-ce qu'un électeur? On vous mettait dans... L'enfant savait ce qu'est l'état de droit, un citoyen, un électeur. Quand exercer son droit de vote, les nombres de gouverneurs, les nombres de préfets, on vous détaillait tout ça dans le cours d'instruction civique. Donc quand vous arrivez, vous savez, monsieur Michel Ngatchou, lui-même les grades, combien de Camerounais, la sensibilisation même au niveau des grades. Tous ceux qu'on va en dire, mon commissaire, même si c'est un gardien de la paix, mon commissaire. Non. Et après, il y a un qui passe partout, mon commandant. Voilà. Merci. Mais surtout, il faudrait revenir à la morale, à l'instruction civique. Et il faudrait que les parents camerounais pensent à éduquer tous les enfants camerounais au droit. Le droit doit être connu de tout le monde. Même si on dit que nul n'est censé ignorer la loi, il faudrait au moins que le béaba soit connu par chaque Camerounais et que le code de procédure pénale soit respecté partout et que le Camerounais sache qu'il a le droit de dire non à un mandat d'amener qui n'a pas lieu d'être. Moi, je dis encore... Libre à vous de tirer, moi je suis pas mort. On a appelé à vivre et à mourir. C'est vous qui devez me tuer. Faites votre travail et puis on avance. Il n'y a pas de souci. Après, moi, le monde va continuer. Voilà. Allez, on va peut-être rapidement aller à la revue des réseaux sociaux, justement, avec vous. Laure Bakanda, qu'est-ce que vous avez retenu ce matin? Oui, malheureusement, comme fait d'actualité, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, on va s'intéresser ce matin à ces élèves, à ces jeunes élèves retrouvés en flagrant délit et pratiquant des activités sexuelles hors du commun. On nous parle ici des élèves dont la tranche d'âge varie entre 15 et 17 ans. Tous ces élèves sont dans un collège situé à Bépanda. Cette actualité enflamme la toile et les avis sont vraiment mitigés sur la responsabilité parentale. Voilà, c'est depuis hier soir également, ça fait le tour sur la toile. Il y a plein de réactions, on se pose mille plus une question sur qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ces enfants. On parle aujourd'hui, ayons le langage, hein, pour que ceux qui nous regardent ce matin comprennent exactement de quoi il s'agit. C'est ce qu'on appelle les partouzes, de façon réelle, les chillings. Vous vous retrouvez entre garçons, c'est-à-dire qu'entre les garçons, ils sont peut-être 3 ou 4, ils vont prendre 4 ou 5 filles, ils sont dans un endroit, et puis ils vont passer des nuits là-bas ou des soirées dans des choses pas commodes. Qu'est-ce qui peut justifier que nos enfants atteignent ce niveau de perdition, de déviance sociale aujourd'hui? Bonbon Bengan, non, avant Bonbon, quand même Dominique Audrey. C'est des enfants, c'est nos petits frères, c'est nos petites sœurs. Oui. Qu'est-ce qui peut justifier? Pourquoi nous ne l'avons pas fait et pourquoi eux aujourd'hui? Parce que nos parents étaient un peu plus regardants. Parce que nos parents étaient un peu plus présents. Aujourd'hui, on assiste à la démission totale des parents. Les parents, aujourd'hui, sont plus portés à autre chose qu'à savoir entrer dans ce qu'on pourrait appeler l'intimité, la vie de leurs enfants. Parce que malheureusement, beaucoup de parents continuent de voir leurs enfants comme s'ils n'avaient pas encore grandi. Pourtant, lorsque la fille notamment commence à entrer dans l'âge de la puberté, il y a énormément de choses qui se passent dans sa vie. Et lorsqu'on est parent, ou bien la mère devrait être un peu plus regardante, un peu plus présente et plus prévenir son enfant à ce moment précis. Aujourd'hui, les parents... malheureusement, ne libère pas encore la parole sur un certain nombre de sujets. Conséquence, c'est entre amis, sur Internet, sur les différents sites, qu'on découvre le monde, qu'on découvre la vie, et entre copines, on se le dit. Pourtant, si les parents en amont prévenaient les enfants d'un certain nombre de choses, lorsque les amis viendraient avec certaines propositions, les enfants seraient déjà avertis
que certaines choses leur arriveraient et auraient une conduite déjà à tenir. Imaginez-vous une fille qui n'a jamais peut-être abordé la question du calcul du cycle menstruel avec sa mère. Sa mère lui a simplement donné l'argent pour acheter les serviettes et c'est tout. Que non, tous les mois, il faut que ma fille vienne acheter les serviettes, c'est tout. Pourtant, sa copine, elle à côté, a déjà une certaine expérience, a déjà vécu un certain nombre de choses. Elle va partager ça avec son ami. Mais ce qu'on appelle vulgairement, c'est par tous là. Oui. Qu'est-ce qui amène nos cadets à cette pratique? Le suivisme moutonnier, la qualité des programmes qu'on met à l'antenne, la qualité des émissions que nous regardons qui viennent de l'étranger. Vous savez, sur les chaînes françaises, par exemple, il y a différentes chaînes qui vous présentent la vie des gens qui sont juste dans une maison et on doit former des couples. Et là, c'est quoi? Juste la fête, la nourriture, l'amour. 10 couples, c'est tout, par exemple. Vous devez vous mélanger là-bas et 10 personnes doivent sortir, 10 garçons pour 10 filles. C'est tout ce qu'on vous présente. Et c'est ça qu'on adopte là-bas. Les histoires secrètes. Les télé-réalités. Voilà. Ce sont les tenues que les jeunes filles arborent là-bas que nous on regarde, que les jeunes filles, nos plus jeunes sœurs regardent ici. Nous tous on regarde, mais maintenant on regarde avec une certaine distance. Sauf que les enfants, les plus jeunes aujourd'hui, regardent entre simplement comme ça, sans avoir la mesure de ce qui se passe à l'intérieur. Ils vont simplement copier que non, tel avait un petit matelot comme ça, avec un petit haut comme ça, et les ongles, les greffes comme ça, et le maquillage comme ça. Il ne le faut. Les garçons vont voir que non, on a organisé une soirée là-bas avec les filles, c'était bien, et après ils se sont embrassés et tout. Et on applique. Donc, il y a la qualité des programmes. Moi, je posais la question. Donc, vous pensez qu'il y a la qualité des programmes? Oui. Il y a les parents qui ne sont pas là? Qui ne sont pas là. Oui. Et que l'école a été diluée. Voilà. Et diluée parce qu'en ESF, lorsqu'on faisait l'ESF, il y avait certains cours, certaines discussions qu'on avait avec les professeurs à l'école. Donc, il faudrait revenir à ça. Revenir à ça, vraiment. Et punir. Punir pour que ça serve de leçon aux autres. On a peut-être les images encore de Bakanda que nous avons regardées et qui se font froid dans le dos. On a écouté ces enfants. Oui, on a vu des images sur les réseaux sociaux. Peut-être on pourrait écouter un instant, peut-être. Hein. Peut-être oui, pour écouter cet enfant-là. Dans cet élève, en pleine séance pornographique. Voilà. En tout cas, ce n'est pas grave. On aura la chance justement de les avoir dans les jours à venir. Mais dire, Laure, oui. Vous aussi vous indignez vis-à-vis d'une situation comme celle-ci. On a des filles de 15 ans. À 15 ans, on a encore... Enfant. Adolescent. Et que l'on rentre dans une vie de partouze, est-ce que ce n'est pas des prédispositions à la prostitution plus tard aujourd'hui? Bien sûr, en quelque sorte. Je vais renchérir les propos de Dominique Audrey, qui a parlé de la démission parentale, la démission des parents. Les parents ont démissionné de leur rôle de parent. Moi, je me souviens quand je faisais le collège, excusez-moi de parler de ma vie privée, je me souviens à l'époque, ma mère, quand j'allais à l'école, ma mère venait rencontrer mes enseignants pour savoir comment est-ce que je me comporte en classe, comment est-ce que ça se passe, et rencontrer les différents enseignants qui me tenaient pour savoir comment est-ce que son enfant évolue. Oui. Les parents ne le font plus aujourd'hui. Pourquoi? Les parents se contentent seulement, peut-être je vais dire, peut-être le boulot, peut-être la crise, peut-être je ne sais pas. Mais il faut toujours trouver un peu de temps pour et les consacrer à vos enfants. Parce que l'éducation des enfants aujourd'hui ne se fait plus comme nos parents le faisaient avant. Aujourd'hui, les parents laissent la totale responsabilité d'éduquer leurs enfants, soit à leur ménagère, soit aux enseignants, soit aux copines de leurs enfants, soit aux copains de leurs enfants, ce qui est un tort. C'est tout ça qui engendre tout ce qu'on a vu hier. Il y a aussi que la mondialisation, la venue de certaines choses. Audrey a parlé tout à l'heure des programmes télé qui viennent d'ailleurs. Où ce genre de choses, ce genre de pratiques est de mode. Ouais. Oui, chez nous, ici, on le décrit parce que c'est quelque chose hors du commun, on n'a pas l'habitude de le voir, mais chez eux, c'est une pratique qui est tout à fait normale. Et on va mettre ça sur le compte de la jeunesse. Vous êtes des femmes également lorsque on vous entend parler, parce que la femme est concernée au premier chef à travers l'éducation. Nous, en terminale, je te salue, monsieur Ndikam en passant, enseignant de philosophie au lycée de la Cité Verte, qui à l'époque nous disait ben, écoutez, lorsqu'une femme est enceinte, c'est là que commence l'éducation de son enfant. Ou du moins même, le jour où
La femme dit à l'homme, ben écoute chérie, moi je suis tombée enceinte. La façon à laquelle l'homme reçoit l'information détermine forcément l'orientation de l'éducation de l'enfant. Les mères, les mamans devraient... Vous maman, qu'est-ce que vous dites justement pour qu'on puisse en sortir? Les mamans devraient se rapprocher de leurs enfants. Toutefois, il y a beaucoup de mamans qui ne le font plus. Il y a beaucoup de mamans qui ne savent même pas quand est-ce que leurs enfants ont eu leur première règle. Je parle des filles. Oui. Il y a des mamans qui ne le savent pas, qui le découvrent. Et parce qu'elle a vu son enfant acheter une serviette hygiénique, elle se demande, mais tu achètes ça pourquoi? L'enfant lui dit, ah maman, ça fait 3 mois aujourd'hui que j'ai eu mes menstruations. Elle est dans la maison avec l'enfant et puis elle ne sait pas que sa fille a eu ses premières menstruations. C'est la ménagère qui l'aide à acheter les serviettes hygiéniques et puis et autres et tout pour se mettre à l'aise. Moi, je dis que les parents ont vraiment démissionné de leur fonction. Les parents devraient être un peu plus proches des enfants. Et puis moi, je vais aller dans l'éducation. Je crois que les enseignants peuvent être aussi pour beaucoup de choses. Oui. Parce que avant, à l'époque, puisqu'ils sont enseignants, oui, parce qu'à l'époque, on avait le cours d'orientation à la sexualité. Eva. Le cours d'Eva. Oui. Il y a beaucoup éducation de personnes. À la vie amoureuse, justement, il y avait beaucoup de personnes dont les parents étaient absents, mais qui, dans les établissements conventionnels, je crois que ça se fait toujours. Pas toujours. Bon, c'est dommage. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui recevaient leur éducation sexuelle à travers ce cours-là et qui se retrouvaient. Parce qu'il y a beaucoup, à cet âge-là, 15 ans, on se découvre. Alors, Et si on n'est pas assisté, on se perd. Bon, Bengane, les femmes ont parlé. Et est-ce que vous avez encore une petite peinture à apporter aux différentes allégations de Dominique et Laure Bakana sur ce plateau? Non, mais c'est l'occidentalisation, c'est simple. Lorsqu'on vous parle de l'occidentalisation, Vous n'allez pas au fond des choses. Quand on dit l'occidentalisation de problèmes aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'une jeune fille de 15 ans ait des rapports consentants en France. Et on voulait même ramener ça à 13 ans. Et nos enfants suivent ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Couper des télévisions occidentales? Et oui, la première chose, oui. Mais surtout, ramener la femme à ce qu'elle n'aurait pas dû perdre. En principe, la femme ne doit pas travailler à plein temps. La femme qui oxygène la maison, qui doit, c'est elle qui éduque l'enfant, qui est différent de l'instruction, je réponds. L'Afrique a commencé à dégringoler lorsque la femme est devenue la rivale de l'homme. Alors que nous avons une notion de complémentarité. Et tout le monde a commencé à compter l'argent. Moi, je gagne. Finalement, l'enfant est resté derrière, abandonné. Et l'autre chose, c'est ce qu'on appelle la communauté éducative. Laure a développé ça. C'est-à-dire l'apprenant qui est l'enfant, la famille et les enseignants. Nous ne formons plus un cordon. Il y a même la société. Nous ne formons plus. Non, c'est tout ça. C'est une communauté éducative, là. Mais justement, dans sa globalité. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez reprocher à l'enfant du voisin? Non, il va dire, c'est pas mon enfant, c'est pas ma fille, c'est pas mon fils. Il n'y en a plus. Donc, le voisin lui-même sera appelé à violer tes enfants ou à les mettre dehors. Alors que nous, on savait que papa rentre souvent tard, maman est au marché. S'il arrive que l'enfant rentre tôt, c'est les voisins qui les regroupent, à commencer par les aînés du quartier et du village. La société n'existe plus. Et il faudrait que nous, Africains, nous sachions que la société, quand on parle de société, le mot principal, c'est l'entraide, c'est l'amour entre les gens. Mais ça n'existe plus. Très bien. Ça n'existe plus. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. Ils nous ont dit. Allez, Charles Mbatou, on va revenir de toutes les façons. Le sujet est assez intéressant. Nous saluons bien sûr toutes les mamans qui nous regardent ce matin. Beaucoup de courage à vous, maman. Beaucoup de courage également à vous, papa. N'oubliez jamais, nos enfants sont les plus grandes valeurs humaines que nous laissons. Pas l'argent, pas les maisons, mais surtout ce que nous leur léguons comme valeur morale. Allons saluer Consti Lamine, qui est sur le plateau B ce matin. Consti, bonjour.
Alors bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous les partenaires du concept Salaka. Et parmi ces partenaires, il y a l'un des partenaires majeurs, oui, la société Sorebco, qui a donc bel et bien décidé et surtout donné son accord pour soutenir les 20 ans de carrière de Constilamine. C'est donc l'occasion pour moi ici de dire merci au directeur général de Sorebco pour ce soutien à l'endroit des 20 ans de carrière de Constilamine. Et bien entendu donc ce matin, il est question de parler qualité, il est question de parler d'une marque révolutionnaire, il est question de parler d'un produit qui vous permettra, chers téléspectateurs, de vous sentir à la maison, ah ben oui, d'avoir le confort, d'avoir le luxe, d'être toujours élégant et surtout de vous rajeunir, ah ben oui, il est question de parler des climatiseurs super, bien entendu super air, de la société Sorebco. Donc ce mardi matin, bien entendu, c'est-à-dire ce jeudi matin, nous lançons une grande promotion durant tout le mois de décembre, durant tout le mois de novembre, du côté des magasins Sorebco, question de permettre à tout et chacun d'avoir un climatiseur de qualité, d'avoir un climatiseur Nyanga, d'avoir un climatiseur d'origine, un climatiseur qui vous permet de vous rajeunir, parce que je rappelle que les climatiseurs de Sorebco, au-delà de la qualité, au-delà des prix, sont également des climatiseurs qui vous permettent d'avoir une peau toujours nyanga. Donc c'est l'occasion plus que jamais ce matin d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs, d'attirer l'attention des revendeurs, d'attirer l'attention de ceux-là qui ont besoin d'installer un climatiseur à la maison, d'installer un climatiseur dans leur bureau, d'installer un climatiseur dans leur magasin, qu'il y a la promotion des climatiseurs Super Air dans les magasins Sorebco. Ces climatiseurs qui présentent plusieurs avantages, notamment la qualité au niveau de l'air. Oui, également une faible consommation d'électricité. Oui, ça ne permet pas au compteur de tourner, c'est-à-dire rapidement. C'est des climatiseurs faciles à manipuler et surtout l'entretien est facile. Nous allons tout de suite démarrer par le premier climatiseur de ce matin. C'est un climatiseur 1,25. Vous l'avez à 171 000 francs. Le climatiseur complet avec tous ses accessoires. Je dis bien 171 000 francs. Un climatiseur neuf. Un climatiseur dans le carton. Un climatiseur avec garantie d'1,25, vous l'avez à 171 000 francs dans les magasins Sorebco. Et dès que vous achetez un climatiseur de cette capacité, on vous donne gratuitement une rallonge. Oh là 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 là, Sorebco, cette fois-ci alors, tu as appuyé sur déranger avec les climatiseurs Super Air que vous avez à 171 000 francs dans tous les magasins Sorebco. À côté bien sûr de ce climatiseur de 171 000, on parle également d'un autre climatiseur, tenez-vous tranquille, un climatiseur 1,5. Ah ben oui, vous l'avez à 185 000 francs. Acheter un climatiseur, c'est bien, mais acheter un climatiseur vendu dans les magasins Sorebco, c'est encore mieux. Vous savez très bien que le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi. Quand ce n'est pas bon, je ne vends pas. Ces climatiseurs, moi-même, je les ai à la maison, raison pour laquelle j'attire l'attention de tous les téléspectateurs de courir dans les magasins Sorebco et de profiter de cette promotion qui vous permet d'acheter un climatiseur 1,5 à 185 000 francs, accompagné bien sûr d'une rallonge qu'on vous donne gratuitement. La cerise sur le gâteau, c'est les climatiseurs armoires. Oh là 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 là, les snacks, les boîtes de nuit, les grands magasins, ceux qui ont les grands grands salons, voilà ce qu'il vous faut à la maison. Vous l'avez à 810 000 francs au lieu de 1 200 000 francs. Vous avez un climatiseur armoire de 5,5 chevaux. Vous l'avez à 810 000 francs dans les magasins Sorebco, accompagné bien sûr d'un ventilateur qu'on vous donne gratuitement. Et pas n'importe quel ventilateur, un ventilateur Super Air qui a une valeur de 25 000 francs. Donc, Mototanye Sengaleva Tatan, Violangambiana, Sorebco, Biopongomangolo Malambo, Tetena Ponda, Wale climatiseur Yabouam, Wale climatiseur Yapenya, Wale climatiseur Yadariwe. Donc, Mototanye Alende au magasin Sorebco, et ben je veux un climatiseur à partir de 171 000 francs. Donc, any man must go from magasin Sorebco and buy a climatiseur Super Air. Ok, thank you. Merci Constilamine, merci également à vous, madame, messieurs. Respect, Shalom Mbatiou, Mon Bengan Kanje, merci à vous, mesdames, Dominique Audroyengelek et Laure Bakanda, vous faites notre fierté. Nous sommes là pour servir le Cameroun demain, lorsqu'il sera 10h, avec le même plaisir.